Nous sommes ravis de vous accueillir aux Grands Ateliers pour cette déjà troisième édition de Terre, Femmes et Savoir-Faire. Cette histoire récente a commencé pour nous en 2019, quand Sylvie Wheeler est venue me voir avec l'idée d'organiser un événement mettant en lumière le savoir-faire de maîtres artisanes. Et c'est ainsi qu'on a pu imaginer la première édition de Terre, Femmes et Savoir-Faire en 2020. On était avec des étudiants et étudiantes du DSA Architecture de Terre de l'École d'Architecture de Grenoble, Anne-Monique Bardago, Nathalie Sabatier, Patrice Doat et Alexandre Douline. Nous avons rapidement été rejoints par Elsa Caudray qui nous permet de lier cet événement à d'autres réseaux et dynamiques qui œuvrent dans le même sens partout dans le monde. Depuis 20 ans et l'ouverture de ce lieu unique, les Grands Ateliers, nous nous attachons à développer des activités autour de nos deux axes fondateurs. L'expérimentation échelle 1, dans ce lieu, dans cette halle, en fabriquant avec nos mains et en faisant en vraie grandeur. Et la mixité culturelle, en favorisant la coactivité et la pluridisciplinarité entre étudiantes et étudiants, enseignants et enseignantes, chercheuses et chercheurs, et professionnels du bâtiment et de la construction. À l'image de ce que nous développons toute l'année, avec des workshops, des formations, du prototypage, nous avons souhaité que cet événement mêle formation professionnelle, encadrée par des artisanes de renommée internationale, mais aussi une journée d'échange ouverte au grand public. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles, que je remercie, nous y avons associé cette année un workshop artistique et créatif ouvert à des étudiantes et étudiants d'école d'architecture, d'art et de design. Pour cette troisième édition de Terre, Femmes et Savoir-Faire qui nous réunit aujourd'hui et qui s'intitule « La force des liens, créativité et inventivité des femmes dans la construction », nous avons renouvelé ce format avec une formation professionnelle « Construire en terre et en fibre » qui aborde différentes utilisations et mises en œuvre contemporaines de la terre fibrée d'un point de vue scientifique, technique, pratique et artistique. Et pour encadrer cette formation, nous avons eu le grand plaisir et la chance d'avoir avec nous Becky Little, artisane écossaise. Olivia Schneider, artisane française. Emmanuelle Diguerer, maçonne française. Et Alison Hilton, artisane franco-britannique. Et puis bien sûr, Sylvie Wheeler et Alexandre Douline qui nous accompagnent chaque année. Vous avez pu ou vous pourrez découvrir le travail qui a été fait toute cette semaine, qui se situe derrière l'écran, derrière moi. Et vous pourrez encore le redécouvrir dans les temps qu'on aura entre les différents moments de cette journée. Cette formation a bien sûr été aussi possible avec tous les apprenantes et apprenants qui sont venus cette semaine et qui ont participé à cette formation et que je remercie. Le workshop étudiant, La force des liens, quant à lui, axé sur l'inventivité et la créativité, fait appel à l'imaginaire et à l'esprit d'initiative et de curiosité. Nous avons le plaisir pour ce workshop d'avoir une nouvelle fois avec nous Isabella Breda, artiste artisane italienne. Natsuko Ushino, céramiste franco-japonaise. Et Kinya Maruyama, architecte japonais. Vous pourrez découvrir les expérimentations menées pendant 3 jours dans la pelouse, on le voit, ça se situe là-bas, à l'avant du bâtiment et qui a été réalisé avec l'ensemble des participants et participantes du workshop. Un grand merci encore à nos formatrices et à nos formateurs qui rendent possible cet événement chaque année. Cette journée de rencontres et d'échanges, habitabilité de la terre et force des liens, vient conclure une semaine une nouvelle fois extraordinaire
riche de rencontres, de transmissions et de partages. Ce matin, Elsa Caudray animera un échange pluriel intitulé « Paroles de bâtisseuse ». Elsa Caudray. Et nous nous retrouverons ensuite pour un temps convivial au moment du déjeuner. Pour ceux qui n'en ont pas encore eu l'occasion, vous pourrez en profiter pour découvrir tous les travaux de cette semaine. Cet après-midi, à 14h, nous accueillerons Chris Younes pour une conférence intitulée « Prendre soin de l'habitabilité de la Terre ». Pour commencer cette journée, nous attaquons avec un hommage à Didi Contractor, qui nous a quittés l'année dernière. Rosie, si tu peux me rejoindre pour dire deux mots sur Didi, avant de passer l'extrait d'une vidéo présentant son travail. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est un vrai plaisir de vous présenter Didi Contractor. Elle est une femme architecte américaine qui est venue en Inde et s'installer à Himachal Pradesh en Inde dans les années 60. Et elle a travaillé dans l'éco-construction presque trois décennies. Et elle est une grande inspiration pour beaucoup, beaucoup de gens en Inde et ailleurs aussi. Et un de mes plus grands regrets, c'est que je ne l'ai jamais rencontrée. Et je vous conseille de regarder cette film et vraiment lire plus sur elle, parce qu'elle est une femme incroyable. Merci. In one of the magazines about my work, they said she disturbs the land as little as possible. Nonsense. Nonsense. I take the building from the site. And so then I become responsible for repairing that. Keep saying future is building with mud. I'm building less and less with materials which cannot go back to nature. I think the fact that in today's age, she's being able to bring us back to the relevance of these issues which we seem to have forgotten, that's what fascinates me. En plus de cette courte vidéo, vous pourrez découvrir son portrait dans l'exposition située dans les modules en bois derrière moi. Cette exposition que nous avons la chance d'accueillir pour la première fois s'appelle « Parcours de bâtisseuse » et a été développée par Alizé Cunier et Claire Dichat. Avant de laisser la parole à Elsa pour lancer l'échange pluriel de ce matin, je tiens encore une fois à remercier toutes celles et ceux qui font cet événement depuis son origine. Vous toutes et tous qui êtes présents aujourd'hui, nos partenaires institutionnels et l'ONG allemande Miserior, la Caisse des dépôts et consignations, la DRAC,
la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère qui nous permettent aussi par leur financement d'accompagner ce projet. Je tiens bien sûr également à remercier toute l'équipe des Grands Ateliers qui fait vivre au quotidien ce lieu et qui se mobilise activement et avec engagement pour des événements comme celui-ci dans lequel nous trouvons beaucoup de sens. Louise, qui coordonne l'événement. Françoise, Marie, Julien, Sylvain, Nina, Margot, Manon, Mélissa et Otilia. Et je laisse la main à Elsa pour attaquer cette journée. Encore merci à tous et à toutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors au nom du comité d'organisation de Terre Femmes et Savoir-Faire, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ce matin pour participer à cet échange pluriel intitulé « Paroles de bâtisseuses ». Ce moment que nous avons prévu de passer ensemble est le résultat d'une démarche initiée en octobre 2021 autour de la récolte, la collecte de témoignages pour visibiliser, valoriser le rôle, la place et le vécu des femmes qui travaillent dans les métiers du bâtiment, des femmes bâtisseuses ici et dans d'autres régions du monde et en particulier dans le domaine de la construction en terre. Comme nous le savons toutes et tous ici, le secteur du bâtiment en Europe reste un domaine particulièrement genré, monopolisé par les hommes. Et comme vous le verrez tout à l'heure, ce constat semble partagé sur d'autres continents et régions du monde. C'est pourquoi nous pensons sincèrement que le fait de valoriser et de diffuser la pluralité des parcours de femmes qui travaillent dans le secteur du bâtiment participe à créer des nouveaux modèles qui, à leur tour, pourront encourager d'autres femmes à se lancer dans ce domaine ou juste s'y sentir légitimes ou s'y sentir à leur place. Ou encore faire évoluer les stéréotypes de genre qui orientent encore largement les futurs choix professionnels des jeunes générations. Nous avons souhaité, lors de cette troisième édition de Terre, Femmes et Savoir-Faire, promouvoir l'incroyable énergie et volonté, mais aussi parler des luttes quotidiennes des bâtisseuses à travers des courtes séquences vidéo retraçant leur parcours pluriel. Nous nous sommes appuyés sur le réseau de Terre, Femmes et Savoir-Faire et les grands ateliers, mais aussi le réseau de Cratère, d'Aster, de Miséréum, Miséréor de Mésoaméricab en Amérique centrale, le réseau de Faxael en Afrique de l'Ouest et les partenaires d'Aquis.terre en Europe. Tous ces réseaux et ces organisations ont de leur côté, à différentes échelles, initié depuis plusieurs années des démarches, des activités ou des événements de visibilisation des femmes dans les métiers de la construction en terre. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier chacun de ces réseaux et organisations pour l'enthousiasme et le soutien qui a été fait à cette démarche de collecte de témoignages, et particulièrement Miséréor qui a financé les bourses d'invitation de Rosie et Andrea ici pour qu'elles puissent venir nous rejoindre pour cet échange. Je souhaite aussi remercier le réseau Mésoaméricab, donc le réseau MAC, pour le partenariat sur leur cycle de genre et habitat. Nous allons probablement en reparler. Donc, comme vous allez pouvoir le découvrir, ce moment d'échange a demandé beaucoup de préparation et impliqué de nombreuses personnes. Donc, il y a en effet 35 femmes bâtisseuses sur 4 continents qui ont répondu à notre appel de participation, donc de témoignage. Il y a des femmes du Chili, du Brésil, du Mexique, de l'Écosse, de la France, de l'Espagne, du Burkina Faso, de l'Inde, de l'Algérie et du Japon qui nous ont transmis leurs témoignages. Évidemment, ce n'était pas possible de toutes les inviter ici, même si ça aurait été génial de pouvoir le faire. Pourtant, pour nous, c'était primordial de leur laisser à chacune d'entre elles un espace dans lequel leurs paroles pourraient être portées et visibilisées. Nous leur avons donc proposé de nous transmettre leurs témoignages sous forme de courtes vidéos qui sont toutes, comme vous le verrez, produites de manière différente par leur smartphone ou par des petites caméras. Ensuite, l'équipe des grands ateliers
à sélectionner des séquences dans un montage que vous allez découvrir dans la suite. L'objectif de cette collecte de témoignages va bien au-delà de ce moment d'échange que nous vous proposons maintenant, évidemment. Nous souhaitons que par la suite ces vidéos soient traduites et puissent être regardées et diffusées largement et dans plusieurs contextes, pourquoi pas plusieurs pays. Pour initier et susciter des réflexions et débats, et pourquoi pas des vocations. Et surtout renforcer les liens et les réseaux des femmes qui construisent en terre. Ce processus a d'ailleurs déjà commencé, car aujourd'hui même, en Amérique centrale, le réseau Mésoaméricab diffusera une version espagnole de ces témoignages dans le cadre de leur cycle de conférences « Genre et Habitat », qui a lieu toute cette année et dont nous avons une représentante avec nous aujourd'hui, ce matin, Andrea Dani. Donc sur ce, je vais donc maintenant vous présenter nos trois invités. Je vais rapidement faire une petite bio de leur parcours, mais ensuite leur laisser la parole. Donc je commence par Andrea Dani, notre invitée du Mexique, donc basée au Mexique, à Valle del Bravo. Elle est architecte diplômée par l'Université technique de Cluj et de l'ENSAG. Elle s'initie à la construction en terre au CIPTEV au Mexique. Son désir d'apprendre sur le sujet et sa sensibilité socio-environnementale se nourrissent mutuellement au fil du temps et alors qu'elle assume différents rôles, enseignante, puis directrice d'architectura à l'ITSD El Grullo, témoin en 2009 de la création du réseau Mésoaméricab, donc le MAC, et dynamisatrice de ce réseau depuis 2017. Directrice du département d'architecture soutenable à l'Université del Medio Ambiente, la UMA, elle crée et anime, appuyée par d'autres membres du réseau MAC, des espaces d'apprentissage de la construction en terre, ouverts aux étudiants et étudiantes, en master et au grand public. Avec le réseau MAC, cette année, elle organise le cycle de visioconférences et communautés de dialogue habitat et genre, femmes construisons un habitat durable et inclusif. Voilà. Merci d'être là. Ensuite, je vais présenter Sylvie Wheeler, donc notre invitée basée en France, à Montpérou, c'est juste ça, près de Montpellier. Donc Sylvie, issue d'une lignée de peintres décorateurs, elle a appris le métier au début des années 80 avec son père. Elle a un CAP de peintre en décor. En 1983, elle s'installe comme artisane peintre en décor à Paris, puis à Montpellier. Dès la fin des années 80, elle essaye d'associer habitat et écologie. Elle s'intéresse alors aux enduits de terre crue et plus généralement à la construction en terre. Elle s'intéresse plus particulièrement à l'intelligence artisanale développée dans plusieurs régions du monde, les enduits de protection de construction en terre, en Inde, Algérie, Maroc, au Japon. Elle approfondit ses connaissances théoriques auprès du cratère. Elle participe à l'Association nationale des professionnels en terre crue, l'ASTER, depuis sa création, ainsi qu'à différents projets européens depuis les années 2006 sur les formations de formateurs et formatrices en terre crue. C'est lors du travail mené avec le réseau européen que son regard a changé concernant la place des femmes dans les métiers de la construction en terre. Elles étaient très largement représentées et un groupe est né. Depuis 4 ans maintenant, elle donne une grosse partie de son énergie pour que l'événement Terre, Femmes et Savoir-Faire puisse avoir lieu annuellement. Merci Sylvie d'être avec nous. Je passe maintenant à Rosie Paul, notre invitée basée en Inde, à Bangalore. Merci d'être là, d'avoir fait ce long voyage aussi. Donc Rosie Paul est l'architecte principale de Mason Singh Studio, une agence de conception et de construction basée en Inde, spécialisée dans la construction durable et la conservation du patrimoine, avec un regard particulier sur la terre comme matériau de construction. Elle s'est spécialisée dans l'architecture de terre et les habitats durables depuis son passage au DSA Terre de Cratère. Elle dirige l'équipe chargée de l'environnement bâti chez Mason Singh Studio, qui vise à réduire l'empreinte carbone, à renforcer les capacités en matière de technologies alternatives et à instaurer l'égalité des sexes dans le secteur de la construction. Elle participe actuellement à des recherches sur les connaissances indigènes en mettant l'accent sur le rôle des femmes dans la construction de bâtiments traditionnels. Merci Rosie. Très bien. Voilà, maintenant que
j'ai présenté nos invités. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc, on va organiser l'échange autour de deux thèmes, traités l'un après l'autre. Et sur chacun de ces thèmes, nos invités vont prendre la parole d'abord. Ensuite, nous verrons une vidéo sur cette même thématique avec d'autres témoignages, comme je vous disais, venant de quatre continents. Et après chaque petite vidéo, nous aurons un moment d'échange entre les invités, où elles vont se poser des questions mutuellement. Ensuite, tout à la fin de cet échange, nous espérons que vous aussi, dans le public, et aussi parmi les participantes de cette formation et du workshop, peut-être aurez aussi envie de donner des témoignages ou des ressentis que ces vidéos ou ces paroles de bâtisseuses que vous allez entendre suscitent chez vous. Donc évidemment, vous avez aussi la possibilité de poser des questions, mais nous serions aussi intéressés de vous entendre et de vous laisser la parole. Donc ça, ce sera pour tout à la fin. Je vous en parle déjà parce que comme ça, vous aurez peut-être l'occasion de réfléchir à ce que vous auriez envie de dire en voyant ces vidéos. Alors, le tout premier thème, rapidement, c'est très facile en fait, il parle du parcours de chacune de ces femmes. Donc les questions qu'on a posées, c'est comment êtes-vous devenue bâtisseuse? Est-ce que vous vous êtes formée dans un cadre formel, école professionnelle ou technique, ou informelle, autoconstruction, filiation, etc. Est-ce que vous avez dû lutter pour accéder à une formation dans ce secteur? Est-ce que votre activité de bâtisseuse est un travail rémunéré? Ou est-il né d'une nécessité de répondre à vos besoins de logement? Finalement, est-ce que construire avec la terre provient d'un choix? Pourquoi? Donc je vais laisser la parole à Rosie, et ensuite Sylvie et Andrea. Bonjour, moi je suis architecte et j'avais la chance de commencer ma vie professionnelle dès le début avec la terre chez Oroville Earth Institute, c'est à Tamil Nadu, auprès Serge Maini. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui le connaissent, il est très connu dans la construction avec la terre. Et c'est là que je suis découvert la terre et je suis tombée amoureuse et je suis toujours amoureuse de la terre. Et après Earth Institute, j'ai travaillé avec un ONG dans une autre région de l'Inde qui s'appelle Karnataka. Et l'ONG, c'était Nivasa. Et là-bas, j'étais chef de projet pour un projet de redéveloppement d'un village qui serait construit en terre. Et après quelques années, j'ai décidé de monter mon propre entreprise. Et en 2013, je suis devenue auto-entrepreneur. Et j'ai monté une agence avec ma meilleure amie, Sridevi Changali. Elle est aussi indienne et elle est spécialisée dans la patrimoine. Du coup, notre agence, on concentre sur la patrimoine et la construction durable. Et après je ne voulais pas oublier, donc j'avais écrit. Après, on a commencé, on a vite rendu compte que pour vraiment faire une différence dans le monde, on doit vraiment concentrer sur la sensibilisation des gens sur la construction durable et la patrimoine et tout ça. Donc, on a concentré de faire beaucoup de workshops, des ateliers, des expositions, et sur la construction en terre et d'autres choses. Et souvent, on a utilisé notre chantier pour former des femmes, des maçons, des étudiants d'architecture, des publics, pour qu'ils aient encore un peu plus sur la possibilité qu'ils ont avec des matériaux naturels. Et aussi, j'ai fait le DSA en 2016-2018
Et ça m'a beaucoup aidé à élargir mon réseau et en fait approfondir ma connaissance sur ce métier. Et maintenant, je suis là. Merci. Merci, Rosie. Donc, maintenant, je te passe la parole. Moi, je ne suis pas du tout architecte. Souvent, on me demande si je suis architecte, mais non. Moi, ce n'est pas du tout mon chemin. Je suis artisane et j'ai voulu faire ce métier très tôt. De peintre en fait, hein, parce que mon métier de base, j'ai un CAP, donc comme on a entendu tout à l'heure, de peintre en décor. Et c'est petit à petit que je me suis retrouvée à intégrer l'enduit de terre parce que je l'ai rencontré au Japon. En fait, j'avais de la chance de voyager beaucoup et surtout d'aller souvent au Japon. Et j'ai vu ces enduits, je ne savais pas trop ce que c'était. Et au bout de quelques années, il y a un Japonais qui a réussi quand même à me dire « mais ça, c'est de la terre ». J'ai dit « waouh, de la terre, je ne savais pas ». Et je connaissais la terre, le colorant, la coloration, mais je ne connaissais pas du tout le matériau terre. Et à ce moment-là, comme Rosie, je crois, je suis tombée amoureuse, bing. Et j'ai fait des recherches, j'ai très vite rencontré Cratère. À cette époque-là, il y avait Karl Giskes et Andreas Crevette qui faisaient des produits tout prêts, des produits prêts à l'emploi. Et pour moi, c'était simple de lire une fiche technique et de rentrer direct dans le vif du sujet. Et voilà. Et comme ça, j'ai appliqué de la terre un peu partout et depuis, je continue. Et voilà, mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, je suis tellement contente qu'il y ait tout ce monde, que toutes ces femmes maintenant s'intéressent à ce matériau, qu'elles le touchent, qu'elles l'aiment. Voilà, c'est tout mon bonheur. Je vais quand même remercier encore aussi Patrice Doit et Nathalie Sabatier, qui ne sont pas là, parce que Nathalie était un peu fatiguée, et donc ils sont partis se reposer en Normandie. Mais c'est vrai que pour moi, ce sont aussi des personnes qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'ont beaucoup portée, accompagnée. Donc je voulais absolument vous remercier. Andrea, tu peux prendre la parole. Oui, merci beaucoup Elsa. Merci aussi aux grands ateliers et au comité de pilotage de Terre, Femmes et Savoir-Faire pour m'avoir invitée à participer à cette table ronde. Bien sûr, je voudrais aussi remercier Alexandre Douline et Misereo pour avoir facilité le chemin. Et je crois qu'on va commencer déjà à tisser les liens parce que les deux, vous avez parlé d'histoire d'amour et je pensais commencer de cette même façon. Moi, je suis tombée amoureuse de la construction en terre il y a 22 ans. Et jusqu'à ce moment-là, pratiquement mes références de la construction en terre étaient à travers des cours d'histoire de l'architecture, aussi à travers des maisons qui se trouvent au musée ethnographique de Transylvanie, et puis aussi à travers les blagues des gens qui parlaient un peu autour de la construction en adobe en disant « apopai chikakat » de l'eau de la paille et la caca, sans même mentionner la terre. Et c'était un peu ça mon monde imaginaire de la construction en terre, jusqu'au moment où je suis arrivée à Grenoble, où j'ai commencé à côtoyer des étudiants de Cratère qui m'ont emmené au sous-sol de l'école d'architecture, voir les espaces d'expérimentation, de construction en terre. Et là, ça a été un virage radical. Ma perception a changé de façon impressionnante. Et puis, du coup, peu à peu, je me suis intéressée à l'architecture en matériaux sains, des matériaux à faible impact à l'environnement.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi faire participer dans un chantier école, un chantier participatif avec Boîte Mobile sur l'île Dieu. Et le dernier jour, on a commencé à faire des enduits en terre. Et là, pour moi, ça a été une double révélation. D'abord, le chantier était encadré par une femme artisane, par Anaïk Madec. Et puis, on pouvait construire avec les mains nues. Donc, ça m'a réconcilié doublement avec les chantiers. Et puis, bon, à partir de là, aussi, j'ai pu choisir faire un stage de fin d'études à l'étranger. J'ai choisi le Mexique. Et j'ai passé pratiquement un an et demi avec l'architecte Elena Ochoa au CICTEF, ce qui m'a permis de me familiariser avec quelques techniques de construction en terre, surtout celles qui sont plus traditionnelles dans cette partie du monde. Suite auxquelles j'ai décidé avec 3 autres amis de constituer une association civile qui s'appelle Ecolocali et où on cherchait à articuler deux des ingrédients que j'avais découverts avec Elena, à part la construction en terre, aussi cette notion de développement communautaire. Donc on a travaillé pendant 2 ans et demi avec une communauté indigène dans la montagne de Manantlan. Et c'est en 2009 qu'on a été témoin de la création du réseau MAC, réseau Mésoaméricain. Bon, ça, c'est un réseau, pour décrire de façon brève, c'est un réseau qui réunit une trentaine d'organisations et de professionnels qui partagent cet intérêt pour la production et la gestion sociale de l'habitat durable dans le respect des cultures constructives locales, traditionnelles, ce qui signifie en grande partie la terre. Et bon, après, je crois que c'est important de le dire, à ce thème s'est ajouté la gestion intégrale des risques en 2017 et en 2019, le thème de la perspective de genre. Donc le réseau MAC se centre pas mal dans ce thème-là. À partir de 2016, au moment où j'ai commencé à travailler avec l'Université de l'Environnement, l'Université del Medio Ambiente, la UMA, j'ai eu le privilège de pouvoir créer des espaces d'apprentissage, de construction en terre, pour des étudiants du master en architecture durable, mais aussi pour le public en général. Et ça a été aussi grâce à la collaboration de collègues du réseau MAC, parmi lesquels Sandy Minier, Javier Rodriguez, Elena Carrillo, John de la Rica, mais bon, aussi Fatima Medina, non, qui est membre du réseau, sans être passée par le DSA, à la différence des collègues que j'ai nommés antérieurement. Mais du coup, donc, je pense qu'avec ce regard rétrospectif sur mon parcours, je m'identifie plutôt comme une bâtisseuse d'apprentissage autour de la terre. Je propose qu'on continue maintenant avec la première petite vidéo. Je suis devenue bâtisseuse il y a 22 ans en restaurant ma maison, petite ferme ancienne de la baie du Mont-Saint-Michel, bâtie essentiellement en terre. Elle a été d'ailleurs ma première enseignante sur ce sujet-là. I became a builder because I like to be outside, I like to work with nature, and I just quite by chance ended up in earth because there was nobody in Scotland did that sort of profession, and we had old buildings that needed repaired. So the historic body for Scotland trained me or sponsored me to be trained by others so that I would get those skills. So I went to places where the tradition was more alive, France being one, and
the southwest of England, Ireland, Denmark, Germany, all over the place to pick up these skills and then to bring them back. Alors, je suis devenue bâtisseuse après avoir suivi la formation Construire en Terre dispensée par l'association LESA dans les Hautes-Alpes à Eyours. Et au cours de cette formation, j'ai eu la chance de faire deux de mes stages dans l'entreprise de maçonnerie rénovation Archivolt, dans laquelle je travaille depuis maintenant 4 ans. Vraiment, j'aime beaucoup le travail de la terre parce qu'il y a ma grand-mère paternelle qui travaillait déjà la terre. Et mon grand frère faisait le même métier qu'elle. Quand elle partait à son lieu de travail, je voulais toujours suivre, mais elle refusait. Donc un jour, nous étions assises et je lui ai dit, maman, elle m'a répondu, je lui ai dit que si par la grâce de Dieu je grandis, je vais emboîter ses pas et embraser le même métier qu'elle. Donc elle m'a répondu que je ne pourrais pas parce que vu comment le monde avance, ce ne serait pas facile. Mais je lui ai dit que si je grandis, je vais le faire. Heureusement, Dieu a exaucé mes voeux et cela me rend heureuse. Yo tengo como un camino paralelo con la construcción en mi vida de toda la universidad. Yo soy contadora de formación, entonces puedo contar tabiques. Tengo un camino paralelo porque todos los 5 años de la facultad yo trabajé en una constructora. Entonces ahí fue cuando yo empecé. Claro, era una constructora donde se utiliza el método convencional que se utiliza hoy en día, ¿no? Cemento, ladrillos, acabados, todo, toda esta parte. Y eso creo que fue justo a raíz de la separación que empiezo a pensar, quiero hacer algo que a mí me guste, ¿no? Algo que a mí me llene, y eso me ha llevado a tomar un montón de cursos. Pues sí, como decía, empecé estudiando arquitectura. Y pues normalmente en la academia no se ve mucho de bioconstrucción, ¿no? Entonces fue que pues tenía la curiosidad de seguir aprendiendo este otro mundo que no se sabe mucho y empecé buscando cursos alternativos en distintos lugares. Entonces a partir de estos cursos y talleres fue que empecé a conocer más gente que se dedicaba a este tema. Y pues eso me llevó a empezar a moverme fuera de la Ciudad de México e ir conociendo otros proyectos, ¿no? Entonces, la bioconstrucción la veo bastante ligada a los procesos colectivos. Entonces, pues una cosa me llevó a la otra y también empecé a aprender mucho de eso, ¿no? もうちょっと近くで作りたいというか、ちょっと離れてる感じがしたので、それでそうするとどういう仕事がいいのかなと思っていたら、親方と知り合って、あ、左官かもと思って左官をやってみようと思いました。親方は大学の時にお世話になった先生、と親方が一緒に仕事をするときに、私も手伝いに行って知り合いました。淡路島で子供たちとアフリカの家を作るっていうワークショップで、竹でドームを作って土を塗ったりしてて、自由な感じがしました。Cuando terminé mis estudios de Bellas Artes, empecé a trabajar la cerámica, hasta que descubrí la construcción con tierra cruda y me enamoró. Me pareció de una sencillez y una eficacia increíble. Me maravilló que podía combinar la plasticidad de la arcilla para generar formas y a la misma vez crear cobijo. Y no cualquier cobijo, sino un hogar saludable, un espacio sano. También me fascinó que no tuviera que pasar por ningún proceso que implicara un gasto energético contaminante para el medio ambiente. குற்றப்பம் அவங்க வந்து இருந்தாங்கல்ல, அவங்க பார்த்துட்டு Après 21 jours, on est rentré à Ouaga. Et il y a un de nos voisins aussi qui m'a invité à Sadio de venir tenir des compagnies. Et quand je suis arrivée, le patron n'était pas là, il était sorti. Et j'ai commencé à placer des goulottes avec
les câbles aussi. Et il est venu regarder le travail que j'ai fait. Il a demandé que c'est qui a fait ça. Je n'ai que sur la fille qui a fait. Donc, il m'a appelé, demandé si je veux travailler avec lui. Parce que, de façon qu'il me regarde, et lui, il voit que je peux faire ces travaux. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est depuis lors que je suis commencé. Y trabajar con tierra porque la tierra es un elemento que está al alcance de todos, es un material que se encuentra bajo nuestros pies, que podemos aprender desde niños a adultos, es un material que no genera huella. J'ai choisi de construire en terre parce que les matériaux utilisés sont accessibles. Elle permet aussi de réduire la chaleur à l'intérieur de la maison. Elle est économique par rapport à la brique du ciment. Claro que sí, yo decidí trabajar con tierra cuando era estudiante. Recuerdo que la primera salida práctica que tuvimos y pude tocar el material con mis manos. Me di cuenta que era un material muy especial, muy plástico y además se me dio fácil trabajar con el platacho. Entonces desde el primer momento que tuve el material en mis manos y que lo pude aplicar, me di cuenta que era con algo que quería trabajar definitivamente y que era algo... Ce qui m'a vraiment plu, ça a été de pouvoir... aussi bien bâtir le gros œuvre, faire la maçonnerie avec la terre et en même temps pouvoir vraiment faire les détails techniques, les détails de finition, vraiment venir sculpter la terre avec mes mains. Et ça a été vraiment ce côté corporel qui m'a touchée. Et c'est ce que j'ai souhaité développer aussi dans mon mémoire de DSA, le rapport au corps, au sensible. Qui est beaucoup développé aussi dans les ateliers sensoriels, de qu'est-ce que la terre provoque en nous, qu'est-ce que ça fait ressurgir, comment ça peut nous soigner, comment ça peut soigner l'habitat. Oui, j'ai décidé de construire en terre. Après une longue recherche de multiples expériences, j'ai découvert la terre et j'ai tout de suite compris que la terre répondait à mes besoins de sens au niveau de l'environnement, du confort, de la matérialité, au niveau politique, au niveau social et spirituel. Anna, nangvir katla nato sunamu manno deshto kalle ur seisi sindhu madam ko korokram. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಆದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆದರೆ ಅದು ಕ್ರಾಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಕಳಿಸಿ ಮಣ್ಣು ಇಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ. Recuerdo un día en concreto en el que supe que me quería dedicar a los revestimientos en tierra. Estaba haciendo un voluntariado en Francia, era un día gris y estábamos revocando una fachada en tierra. Yo estaba haciendo un relieve y empezó a llover, todos se fueron, pero yo seguí ahí. No porque no me quisiera mojar, sino porque ni siquiera me estaba enterando de que estaba lloviendo. El tiempo para mí en ese momento como que se había detenido, estaba totalmente concentrada en lo que estaba haciendo, estaba, como se dice, en el aquí y en el ahora. Entonces, pues lo supe que quería dedicarme a esto, porque es cierto que cuando estoy con la tierra, pues me siento en mi lugar, esté donde esté, me siento presente. Quelles sont les solutions pour notre avenir dans un contexte si instable? Et pour moi, la paille et la terre étaient une vraie solution pour créer du lien, pour créer avec rien. Le contact avec ce matériau m'a vraiment plu. C'était vraiment magique d'arriver à construire... là, c'était des cloisons, en l'occurrence, avec de la terre et de la paille, quoi. Ce qu'on a tous autour de nous, ça fait tellement sens de pouvoir construire des maisons qui sont saines, qui coûtent rien à la planète, que je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Pour le coup, par conviction écologique, parce qu'on n'a vraiment plus le choix.
que d'utiliser ces matériaux-là qui n'ont pas d'impact carbone. Si on veut espérer avoir une transition dans le monde du bâtiment. Me enamoré del material y sus múltiples aplicaciones. Es un material muy, muy versátil, muy económico. Lo puedes encontrar en todos lados, que es lo mismo que decir que puedes trabajar en todo el mundo. Los procesos productivos del material es una maravilla, porque no se pierde nada, solo se transforma. No nada de que puedas hacer como de desecho, siempre lo puedes volver a reutilizar, la verdad, y eso a mí me encanta el material. Avec la terre et la chaux également, on construit, on répare, on restaure, on soigne, on décore. C'est vraiment une étendue de possibilités assez merveilleuse. Maleabilidade, aplicabilidade, enfim. E a reversibilidade. Então, uma parede de terra, por exemplo, ao concluir o seu ciclo de uso, ela volta à terra e uma semente nasce desse material. Que é, né, a gente pensar na relação de sustentabilidade, a construção civil é uma das mais poluidoras, tanto no processo de fabricação dos materiais quanto no pós-uso da construção, né? Um gerador de resíduo que é um problema muito sério hoje. Where that's the thing I love the most about Earth is it's so rooted in place. The soils are specific, the climate, the plants, the way you work needs to really focus in on where you are. It's also a beautiful material, very responsive. It's infinitely recyclable, it's healthy, it's very sculptural, tactile. You need the whole of your body to take it from the ground. You can smell it, you can listen to it, you touch it. Your body is alive when you work with this material, which I think there's not so many professions these days where it's so sensory. I often think it's a bit like cooking. I think that's as close as we come, although I don't eat a lot of it. Elegí trabajar con tierra porque la tierra es pertinente al lugar donde vivo. En el lugar donde vivo, en San Pedro de Atacama, se viven bajas y altas temperaturas. Y la inercia la inercia térmica de la tierra es única. Que el calor se demore en pasar al interior es una gran ventaja. Entonces se provee un cobijo y una termicidad interior en las viviendas y en los espacios que se construyen con este material, que es inigualable. Construir con tierra es una elección. Esto ha sido poco a poco. Primero descubrí en los sótanos de la ENSAC que la tierra es bella y que la construcción con tierra no solo es una cuestión técnica, sino que se conecta con las culturas de los pueblos. Parce que la terre que nous voyons est l'objet de travail de tout un chacun, homme comme femme, et que nos ancêtres ont toujours utilisé. Surtout quand tu as la chance de voir une vraie maison en banco, c'était beau parce que quand ils finissaient la construction, ils utilisaient des troncs d'arbres comme toiture et mettaient ensuite l'argile au-dessus et bien lissée. On se sentait toujours bien quand on dormait à l'intérieur. C'est ce qui fait ma fierté d'être une femme pour perpétuer cette tradition. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais en voyant ces témoignages, mais en tout cas de mon côté, quand je les ai vus pour la première fois, tous ensemble, réunis, ça m'a donné beaucoup d'émotions. Et je trouve assez incroyable, en fait, tous les liens qu'on peut voir entre ce qu'elles disent. Voilà. alors, maintenant, je propose un petit moment d'échange entre vous. Voilà, je propose que Andrea pose une première question à Sylvie et ainsi de suite. Vu que c'est la première question, Sylvie, et que Terre, Femme et Savoir-Faire, ça a déjà une trajectoire de plusieurs années, moi j'ai vraiment une très grande curiosité de savoir comment tu as identifié le besoin de créer ou de co-créer cet événement.
En fait, c'est venu à la fois de très loin, c'est vraiment une histoire de parcours, parce que c'est quelque chose auquel j'ai pensé de façon plus marquée à partir de 2004, où Lydie Didier et Alexandre, enfin Lydie Didier, donc, qui faisait son DSA Terre, et Alexandre Douline ont choisi de la faire travailler sur des réseaux européens pour qu'on co-construise là, un objet qui s'appelle le programme Leonardo sur les enduits de terre. Et là, j'ai été très étonnée, moi qui étais dans mon coin en train de travailler, qu'on m'appelle pour me demander mon travail, qu'est-ce que je fais, comment je fais avec les enduits. Et à ce moment-là, ben, je me voilà lancée dans toute cette histoire européenne à propos des enduits et de l'écriture de ce travail avec beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui en fait était beaucoup de femmes. Alors maintenant, aujourd'hui, dans le temps, je me dis, ben oui, si on était si nombreuses, c'est parce qu'en fait, c'était un boulot qui n'était pas payé. On a travaillé gratuitement pendant des années pour arriver à co-construire quelque chose. Et effectivement, c'est là que je me suis dit quand même, c'est bizarre qu'il n'y ait que des femmes et qu'il y ait autant de femmes, alors que sur les chantiers, je ne voyais que des hommes et que dans l'association Aster, il n'y avait aussi que des hommes. Et au bureau, j'étais la seule femme. Et voilà. Donc du coup, voilà, ça m'a vraiment interpellée à ce moment-là. Après, de ces femmes, notamment beaucoup en Allemagne, mais aussi en Bulgarie, en Espagne, en Portugal, tout ça, j'ai appris qu'elles aimaient ce travail, cette façon de travailler dans le féminin. Alors que moi, je suis aussi issue d'une famille qui est d'artisans, homme, et voilà. Et ça m'a lentement, c'est venu lentement, ça m'a traversé, mais c'est aussi beaucoup grâce à Lydie en fait. Lydie Didier qui a toujours été là et qui m'a aidée, notamment pour le problème de langue, parce que je suis une pire. Je suis la pire. Je parle le français déjà pas très bien, mais alors l'anglais, c'est catastrophique. Et elle était toujours à côté de moi parce que j'avais très peur. Je disais, tu m'aides, tu me traduis. Voilà. Mais ces femmes, elles m'ont montré tout le travail qu'elles faisaient. Moi, j'étais époustouflée. En fait, je les ai toujours regardées, comme je regarde Becky aujourd'hui, Alison aujourd'hui, comme des gens beaucoup plus forts, beaucoup plus forts que moi. Quoi. Enfin, je sais pas. Et. Après, bon, moi j'ai donné des formations, j'en donnais déjà, j'ai donné des formations, et là j'avais que des hommes, pratiquement. Jusqu'en 2000, je dirais que le virage c'est 2015, par là, 2000, c'est pas très vieux, où tout d'un coup, dans les formations, sont arrivées beaucoup, beaucoup de femmes, alors voilà, j'en ai plusieurs hein, qui étaient avec moi, qui ont appris. Et donc avec les discussions, voilà, avec encore merci à Maxime, je ne sais pas où il est, de dire, bon ben oui, on va faire quelque chose en fait pour montrer tout ce travail. Je veux dire, nous on venait tous les ans avec Kinia donner des cours ici pendant le festival Grain d'Isère, on n'avait que des hommes qui faisaient des présentations. Et moi je savais qu'il y avait toutes ces femmes qui étaient là autour, quoi, mais qui ne donnaient pas de présentation. En fait, on ne les mettait pas en avant, alors qu'elles étaient là, je le savais. Et voilà. Et après, il y a eu de la discussion avec les DSA, qui étaient beaucoup plus politiques que moi, de ces années, je dirais, 17-18, je ne sais pas, peut-être toi tu sais un peu plus. Et qui ont dit, ouais, c'est pas bien, elles étaient vraiment remontées, ouais, c'est pas bien, et tout, ben, on va faire, quoi. Parce que pour moi, c'est un peu ça, ben, on va essayer, enfin, je sais pas, au moins, on va essayer. Et là, heureusement, il y avait Anne-Monique, Patrice, Nathalie,
Et Maxime, mais surtout Maxime, parce que c'est quand même lui qui a les sous. Il est parti, parce que dans son bureau, il cherche les sous. En fait, il cherche les sous. Et qui a dit, bah, on y va, quoi. On y va, on le fait, et voilà. Voilà comment est née cette histoire de Terre ferme et savoir-faire. Et maintenant, je vais peut-être poser une question à Rosie, parce que moi, donc j'ai eu la chance de la voir en stage avec moi pendant qu'elle faisait son DSA et que j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'elle faisait. Et moi, je voudrais que tu nous racontes un peu plus ton parcours. Comment ça se passe en Inde avec ton cabinet d'architecte presque à 100% féminin. Donc, je voudrais savoir c'est quoi l'histoire. Merci Sylvie. Oui, c'est vrai. C'est moi et comme j'avais déjà dit, c'est moi et mon amie qui ont commencé l'agence et on est toutes les deux des femmes. Mais en fait, quand on a commencé, on n'a pas vraiment pensé de ça. On n'a pas pensé que peut-être ça va être plus difficile parce qu'on est des femmes. Mais parce que déjà, montrer une entreprise, ce n'est pas facile pour tout le monde, c'est difficile. Mais on ne savait pas qu'il y a quelque chose en plus, quelques difficultés en plus qui s'ajoutent quand c'est des femmes qui dirigent l'agence. Mais je pense qu'on avait la chance de voir d'autres femmes et d'avoir des patrons qui étaient des femmes pendant notre vie professionnelle avant aussi. Et ça nous a beaucoup aidé, je pense, pour donner le courage de commencer et voir comment ça va passer, quoi. Petit à petit, on s'est rendu compte que oui, il y a des difficultés, des choses qu'on peut faire quelque chose pour changer et des choses qui n'étaient pas vraiment dans notre contrôle. Un grand problème, c'est l'un de sécurité parce que notre chantier, des fois, c'est dans des endroits peu accessibles et pour nos employés et nous-mêmes, c'est... Il n'y a pas l'assurance, je ne sais pas comment dire, on ne sait pas si c'est totalement safe pour y aller. Des fois, on a des rendez-vous avec des clients qu'on ne sait pas et dans ces endroits comme ça, mais on envoie des messages, nos parents tout le temps, ils savent où notre Google Locator est toujours on. Mais des fois, ça ne marche pas aussi. Mais il y a des choses en plus qu'on doit faire pour qu'on sache que même les filles et les femmes qui travaillent avec nous sont en sécurité. En plus que ça ce n'est pas un grand problème. Ça va, on prie un peu et on se va. Mais je pense qu'il y a aussi des aspects socioculturels qui est une sorte de, comment dire, glass ceiling, un plafond vert qu'on doit beaucoup, beaucoup essayer de casser. Par exemple, en Inde, je pense que l'opinion courante, c'est qu'une femme soit un travail pour une femme, ce n'est pas nécessaire. Soit c'est cette attitude, ou soit c'est, oui, une femme peut travailler, mais comme une passe-temps, pas en laissant sa famille. Donc c'est la famille en première et l'autre chose en arrière. Et même une fois, j'avais une expérience où un architecte très connu en Inde, et j'avais le rencontré et j'avais lui montré tous
des projets. J'étais très heureuse que j'avais l'opportunité de le voir. Et il m'a un peu moqué, disant que « Ah ouais, tu fais tout ça jusqu'au moment où tu vas se marier, non ?» Et oui, il y a des choses comme ça, mais ce n'est pas grave. Mais aussi, il y a des hommes qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont encouragés et qui nous ont donné plus d'opportunités. Donc, ce n'est pas qu'il y a les deux côtés, quoi. Et ça va. On est toujours là et on va continuer à se battre pour d'autres femmes qui voulaient faire les mêmes choses. Et... Oui, merci. Ok, du coup, Andrea, je te pose une question parce que toi, tu es dans l'université, tu es dans ce domaine et j'aimerais bien savoir comment c'est que dans votre université, comment est le pourcentage des hommes et femmes comme étudiants et est-ce que c'est égal ou parce qu'en Inde, à l'université, dans les écoles d'architecture, il y a beaucoup de femmes, il y a plus de femmes que les hommes. Mais dans la vie professionnelle, ça change, c'est l'inverse et c'est fou. Donc j'aimerais juste savoir comment c'est chez toi. Je crois que le cas de l'université, bon, de la UMA, est un peu particulier parce que nos étudiants, c'est des étudiants de master pour l'instant. Je reconnais un peu ce que tu dis pour la situation des étudiants de niveau licence parce que je travaillais avant dans une université à ce niveau d'éducation et c'est vrai qu'au Mexique aussi il y a en architecture pas mal d'étudiantes femmes mais on a encore des professeurs qui leur disent « Ah, mais tu dois étudier sans doute en attendant de trouver un mari. » Et dans certains cas, oui, ça se passe de cette façon. Le poids de ces prédictions sociales, de ces prophéties accomplies est assez lourd. Mais bon, pour revenir à la UMA, je crois que c'est un cas assez spécial. Déjà, au niveau de l'équipe de direction de la UMA, pratiquement on a une rectrice et puis 8 directrices. Donc c'est une équipe de direction 100% féminine qui n'a pas été pensée comme ça. Ça a été le résultat du processus, des concours qu'on a fait au fil du temps. Par contre, le conseil de partenaires d'investissement, il est constitué en majorité par des hommes. Donc c'est assez intéressant. Après, les étudiants de master, ils travaillent tous. Et en proportion, c'est moitié-moitié. En général, peut-être la dernière génération, un peu plus de femmes, c'est vrai. Et je crois que l'espace où on peut observer un peu plus ce qui se passe, c'est la communauté de pratique qu'on a créée il y a un an, qu'on anime avec Fatima Medina et Ismaël Hernandez. Et bon, en gros, une communauté de pratique, essentiellement, c'est un groupe de personnes qui partagent un thème d'intérêt, dans ce cas, la construction en terre, et qui cherchent à apprendre ensemble à partir du partage des expériences que chacun, chacune a. Et en gros, c'est un espace où on se permet d'être vulnérable. On partage aussi les erreurs excellentes, les erreurs desquelles on apprend le plus. Et c'est un espace où on peut aussi demander du conseil, où c'est permis donc de montrer cette vulnérabilité. Et c'est ce qui aussi nous aide non seulement à apprendre ensemble, mais aussi à innover, faire évoluer la discipline,
et aussi établir des collaborations. Et donc, à cette communauté de pratique, on a invité les 170 personnes à peu près qui ont pris des formations de construction en terre à la UMA pendant les 6 dernières années. Et là, je trouve que c'est un espace très intéressant parce que ça ouvre une fenêtre pour comprendre la dynamique de la construction en terre au Mexique, mais aussi où se centre l'intérêt des hommes et des femmes par rapport à la construction en terre. Et donc, comme anecdote, je peux dire que lorsque les sessions de communautés de pratique se centrent sur des questions techniques, on voit que la participation des hommes est assez active. Ils sont là, ça les intéresse beaucoup. Mais la dernière session qu'on a eue a porté sur la question de comment la construction en terre peut stimuler, engendrer des processus de participation communautaire et la cohésion sociale. Et alors là, par contre, il n'y a pas eu un seul homme, il n'y a eu que la participation des femmes. Donc ça a été assez intéressant, je trouve. Merci. Si je dis juste un tout petit mot, parce que donc, moi je suis basée en Suisse et en fait c'est la même chose, quoi. Dans les universités et ensuite dans la vie professionnelle. Et en fait, je trouve que la question aussi qui est amenée par les femmes indiennes avec lesquelles tu travailles dans la vidéo sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, en fait, elle se pose partout, elle se pose en tout cas largement. Et la construction aux terres, qu'on soit architecte ou artisane, c'est des métiers de passion, c'est des métiers où on s'investit énormément et donc où on souhaiterait pouvoir rester le soir, travailler la nuit. Et comment concilier cela en fait avec une société encore très patriarcale dans laquelle les femmes sont en général chargées de s'occuper du ménage, des enfants. Et donc finalement, je trouve intéressant de voir que c'est directement lié plus largement à la société dans laquelle on vit et comment sont répartis les rôles dans les différents espaces. Hein. Que ce qu'on soit en Suisse, en Inde ou au Mexique. Bon, alors maintenant, je propose qu'on passe au deuxième thème. Donc, le deuxième thème, il parle cette fois du vécu. Bon, on en a déjà pas mal parlé, hein, du vécu, parce que bon, les parcours, c'est aussi du vécu. La question du vécu dans le secteur de la construction, donc les questions qu'on a posées, c'était comment vivez-vous votre place de femme bâtisseuse, votre place de femme dans le secteur de la construction? Rencontrez-vous des difficultés et pouvez-vous donner un ou deux exemples? Et s'il y a des choses à changer ou des actions à entreprendre, quelles pourraient être les priorités? Donc je laisse cette fois la parole à Sylvie pour nous dire qu'est-ce que t'en penses. Qu'est-ce que j'en pense? En fait, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, c'est sûr que, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de 2015, j'ai vu que radicalement ça changeait et que dans les formations que je donnais, c'était presque devenu du 100% féminin. Alors, évidemment, ça interpelle et voilà. Par rapport à moi, à mon parcours, c'est en travaillant sur ce thème-là, en fait, et surtout en faisant ces vidéos, que j'ai dormi et j'ai rêvé, et je me suis dit, mais il y a des morceaux que j'oublie complètement, que j'oublie de ma vie, de comment je suis arrivée, moi, à faire ce travail-là. Et en fait, donc, quand j'étais toute petite, mon père était peintre et il nous peignait, ses enfants. Il nous peignait, donc on avait des espaces chaque année, il en peignait une, donc on était quatre filles. Voilà, j'étais la troisième, donc j'ai vu les autres se faire peindre, et puis voilà, après c'était mon tour, j'étais trop contente et tout. Donc j'étais là, parce qu'en fait mon père je le voyais jamais, il bossait tout le temps, il partait le matin à 7h, il rentrait, c'était 20h.
Il était là que pour nous gronder. Bref. Et donc du coup là, c'était vraiment un espace très particulier. J'étais en face de lui et puis bon, évidemment il fallait pas bouger. Et alors je bougeais pas, super contente. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu voudrais faire toi comme travail? Et j'ai dit, ben moi je voudrais être peintresse. Elle m'a regardé, il m'a dit, c'est pas un boulot pour les femmes. J'ai été réglée quoi, j'avais 7 ans. Et voilà, la vie continue. Mes profs de dessin du lycée sont venus parlementer avec lui. Non. Après, quand il a été question que j'aille aux Beaux-Arts, il a eu la bonne idée de faire une crise cardiaque, il a plié son entreprise, donc non, à nouveau. Et voilà, bon, il s'en est sorti, et puis 2 ans après, il m'a vu quand même galérer, je pense que c'est ça. Il trouvait que j'étais pas bien dans ma vie, en fait. Et donc, chaque fois, je lui redemandais un peu, tu veux pas que j'aille sur les chantiers avec lui. Et il me dit, bon, ok, je vais voir avec un collègue qui avait une école à côté de La Rochelle et qui était comme lui, compagnon du Tour de France, comme lui, meilleur ouvrier de France. Bon, c'était quelqu'un qui était très proche de lui. Et donc il l'a appelé, il s'appelait Derval ce type. Il l'a appelé et il lui a dit, bah, écoute, ma fille, elle aimerait bien là. Mais en fait, les écoles, en 81 ou 2, je ne sais plus, c'était que pour les hommes. Hein. Enfin, moi, je me suis retrouvée dans une école où il y avait 70 hommes, jeunes hommes. Et il nous a pris parce qu'il a eu une demande d'une Finlandaise qui, dans le même temps, donc ça veut dire qu'en Finlande, c'est la même chose, qui a demandé en même temps aussi de faire ce cursus de peintre en décor. Et donc il a dit, ok, bon, ben, je vous prends une année, donc deux femmes, hein, la Finlandaise et moi-même, je vous prends 2 années, mais vous devez faire le travail que les garçons font en 4 années. Donc pendant une année, je peux vous dire qu'on y est allé, quoi. On n'avait pas le droit de faire plus de temps, quoi. Il a dit, ok, une année. Voilà. Donc ça, c'est mon parcours. Et que effectivement après, je travaille et tous les ans, je mets une petite lettre sur mon agenda, qui maintenant pourrait devenir un téléphone, mais j'y arrive pas. Et donc j'ai écrit une phrase que je trouve belle. Et cette année, c'était quand tu vas sur le chemin apparaît. C'est un proverbe de je ne sais où. Et vraiment, je peux dire que pour moi, c'est ça, parce que je me suis retrouvée à Paris, après avoir eu mon CAP de peintre en décor, je me suis retrouvée à Paris, dans la rue, une fille m'accoste, mais je la connaissais par ma sœur. Elle dit, oh, je quitte mon boulot, si tu veux, je te présente, ok, je vais sur un petit chemin dans le 11e, c'était juste à une station de métro de chez moi. Je rencontre un monsieur dans la rue qui me fait signe, ouais, t'es pas une fille roulère, toi. Je dis, bah si, mais moi je savais pas que c'était. En fait, c'était le boulanger de mon village de quand j'étais enfant, qui me reconnaissait du coup. Et puis voilà, il me dit, viens boire un café. Il connaissait l'entreprise, il a invité l'entreprise. Enfin, et c'est tout comme ça, quoi. Après, du coup, c'est lancé, et puis la vie. Est-ce que tu es d'accord de dire quand même ce que ton père il t'a dit à la fin de sa vie, juste Oui, et donc après, c'était en 85, je travaillais avec une plasticienne à Paris et on a fait la gare RER Neuilly-Porte-Maillot. Et donc je vais le voir, mon père, et puis je dis, t'as vu, je fais ça et tout, et puis il me dit... Sylvie, vraiment, tu es bien meilleure que moi. Donc je pense qu'il m'a tellement... Enfin, ça m'a tellement soigné l'âme que, en fait, après, j'oubliais, quoi. Toute la galère du début, j'oubliais. Ensuite, c'était toi, Andrea. Tu peux prendre la parole. D'accord. Oui, mais Je suis restée un peu en réfléchissant à ce que tu disais, Sylvie. Et je pense que
que lorsqu'on est dans une réflexion individuelle, on a plutôt tendance à croire que c'est une histoire unique, que c'est quelque chose qui m'arrive seulement à moi. Ça me rappelle un peu ton témoignage de la vidéo d'il y a 2 ans, Elsa. Mais chaque fois que j'écoute d'autres personnes, d'autres femmes parler de leur expérience, ça confirme cette découverte que finalement, il ne s'agit pas que des événements, d'anecdotes isolées. C'est une fois et une autre fois et une autre fois des vécus qui ont des points en commun. Et je crois que ces témoignages aussi des vidéos le confirment. C'est quelque chose que j'ai aussi observé il y a 2 ans lorsqu'on a eu l'initiative de recueillir avec les femmes du réseau MAC leurs témoignages, également à travers des vidéos sur les défis qu'elles rencontraient aussi en travaillant avec la terre et avec d'autres matériaux locaux. Donc c'est très intéressant ces répétitions. Et pour renforcer ça, je voudrais aussi ajouter que par rapport à ce que tu disais au départ, comment ça se fait que cet événement a été créé, moi aussi, en regardant vers l'arrière, je crois que tout mon parcours d'apprentissage de la construction en terre a été soutenu aussi grâce à des femmes desquelles j'ai appris. J'ai aussi appris d'hommes sur la construction en terre, mais la grande majorité, ça a été des femmes qui savent énormément, qui inspirent aussi énormément, qui ont beaucoup d'expérience. Puis là, je suis heureuse aussi de pouvoir dire que cette semaine, à cette assez longue liste, se sont rajoutés aussi les noms de Becky, d'Olivia, d'Alison et d'Emmanuel. Donc j'emmène ça dans mon cœur et dans mon expérience. Mais alors, sur la question des difficultés, des défis, je pense que qu'en tant que femme impliquée dans la construction en terre, on se trouve à l'intersection de deux grands défis. D'une part, la construction en terre, et d'autre part, le fait de travailler dans la construction en tant que femme. Alors, on est là parce que toutes et tous, on est assez convaincus des bénéfices de la construction en terre. C'est ce qui nous réunit cette semaine et aujourd'hui dans cet espace. Mais en réalité, au niveau de la société en général, ou des sociétés en général, on est une minorité pour la construction en terre. Et on voudrait qu'on soit de plus en plus nombreux, nombreuses pour construire en terre. Et bon, d'autre part, c'est cet autre sujet, non, d'être active en tant que femme dans le monde de la construction. Alors moi, j'écoutais pas mal de personnes aussi qui m'ont raconté que ça a été assez la galère de voyager, non, à travers ce milieu, qu'il a fallu surmonter beaucoup de difficultés. Et il y a des femmes architectes, des amis qui ont décidé plutôt de renoncer, faire autre chose. Puis celles qu'on a décidé quand même de s'acharner, de continuer, il a fallu lutter contre la résistance de la famille, contre le manque de confiance de clients aussi. Ça affecte bien sûr la confiance que nous, on a en nous-mêmes, et il faut lutter avec ça aussi. Puis la double journée de travail, avec la Covid, peut-être même la triple journée de travail pour les mamans qui ont dû être aussi maîtresses d'école chez elles. Et la liste est longue, la liste des défis. Et puis, je trouve que lorsqu'on arrive à surmonter ces obstacles, bon, peu à peu, on termine par croire que c'est censé être comme ça, que c'est censé être dur. Et bon, on l'a fait, et du coup, après, on rigole un peu des anecdotes, et aussi,
Je crois que dans certains cas, quand d'autres femmes nous racontent leurs difficultés, on a tendance, on peut minimiser cet effort parce que nous, on est déjà passé par là, c'est faisable, il ne faut pas se plaindre. Je crois que bon, ça fait partie des défis. À ça, je rajouterai la question de l'interculturalité pour laquelle on n'est pas éduqué, on n'est pas préparé. Et si la culture est cette plateforme depuis laquelle on interagit avec d'autres personnes, je crois que l'interculturalité, c'est une forme d'être et de faire basée sur le dialogue entre ces différents mondes, ces différentes plateformes sur lesquelles on se monte comme être humain. Et la réalité, c'est que souvent, ce dialogue ne s'établit pas entre personnes égales. C'est assez évident, par exemple, dans des projets nord-sud ou assistentialistes. Et puis, à la longue, ça mène à un appauvrissement des cultures constructives traditionnelles, locales, par exemple. Et j'ai la conviction que la diversité culturelle est tout aussi importante pour un futur durable que la biodiversité. Donc, pour parler un peu des stratégies, bon, ça va être très vite, je mentionnerai à nouveau créer des réseaux un peu à la façon des communautés de pratique, tisser des liens, apprendre d'interculturalité et oui, peut-être on transformait, devenir des tisserands, des tisserandes de liens qui nous permettent d'apprendre ensemble et cheminer ensemble. Je vais passer le micro à Rosine. Je parle des défis. Je pense que on a beaucoup parlé des défis. On va aussi parler un peu des opportunités qu'on a comme des femmes. Et une femme, désolée, mon français c'est pas très bon. Du coup, en fait, chaque fois que moi et mon associé on a des difficultés, on dit que ouais, c'est des problèmes, mais aussi quand il n'y a pas beaucoup d'attentes ou il n'y a pas beaucoup d'expectations, je ne sais pas comment dire. Attentes? Ouais, ok. Il n'y a pas beaucoup d'attentes, tu es moins stressée. Si tu réussis, c'est cool. Il y a moins le stress de faire quelque chose et il y a peu de gens qui attendent que tu réussis quoi. Je sais pas si. Du coup, c'est moins de stress qui aussi ça vous aide pour faire beaucoup plus de choses. Je pense que pour les hommes en Inde, il y a beaucoup de stress comment ils gagnent dans sa vie et ça leur empêche de faire beaucoup de choses, je pense, parce qu'ils doivent. Ils ont considéré comme the main person who le main gagne-pain, je sais pas comment dire. Principal revenu. Ouais, le principal revenu. Donc ça, je trouve, c'est un peu tordu mon logique, mais je pense que c'est une opportunité aussi pour les femmes. Si vous avez l'opportunité, tu fais ce que tu veux et ce que tu veux et ça va quoi. C'est ça que je voulais dire. Merci. Merci Rosine. Alors maintenant, on va aussi écouter la deuxième partie de témoignage. Bastante cómoda. En el área de la bioconstrucción acá en Chile al menos hay bastante participación femenina, por ende ha sido un espacio laboral bastante seguro y cómodo para nosotras.
Y si en algún momento he sentido alguna incomodidad, ha sido por parte de personajes ajenos a la bioconstrucción. Y claro, y eso se debe a que muchas veces no entienden a que las mujeres tenemos las mismas condiciones físicas que los hombres. Entonces, ahí una que otra vez uno ha escuchado algún comentario o alguna mirada como extraña de qué hacen estas mujeres acá, pero son las menos. Nos las enseñan primero en las universidades y luego en la obra con ritmos, pero juntos de hombres, con ritmos de hombres, con ritmos de mercado, pues. Entonces yo me acoplaba a esto, yo encajaba en esto. Y hasta que un momento me dije, no puede ser, ya no puedo estar aquí. Y me di cuenta que no, yo tenía que estar aquí, pero asumiendo que soy mujer en la construcción. Y a partir de ahí todo cambió. Je vois bien qu'en tant que femme, je suis obligée de montrer que j'ai des connaissances, de, voilà, de vraiment m'imposer et de faire ma place. Mais c'est une place qui peut être aussi prise en douceur et montrer que voilà, il y a du respect pour les artisans, peu importe le sexe de la personne. Et montrer que, voilà, qu'il y a un équilibre qui peut être fait, que nous, on apporte aussi des choses en tant que femme, en tant qu'architecte. Aujourd'hui, j'arrive à me penser plus comme ouvrière expérimentée du bâtiment que par rapport à mon genre, ce qui n'était pas spécialement le cas au début, où je me sentais plus femme travaillant dans le bâtiment. Et bah, ça fait une différence parce que ça ancre et voilà, je me sens plus légitime au jour d'aujourd'hui dans mon métier et dans ma place de femme bâtisseuse, ouais. Sin embargo, creo que sí es algo que se debe hacer en equipo, o sea, con varias mujeres, con varias personas. Es algo que se puede hacer en familia. Lo increíble de trabajar en grupo con mujeres es esa alegría que da, en el que lo estás haciendo bien, te salió excelente, esto te falló. Como que ese apoyarnos se me hace extraordinario. And the way I see it, it is challenging, it is no doubt challenging. As somebody who is building with this team, I can say that mud building just lends itself very beautifully to, you know, women working on it. They did this wall and they were so good at it. We didn't need to train them. It just came very naturally to them. But I can see the challenges. And I think the challenges are to do with exposure and awareness and social acceptance. Après, sur chantier, c'est assez surprenant. J'ai vraiment l'impression d'être une alien. Je suis souvent la seule femme, souvent beaucoup trop jeune. On veut souvent m'aider et me donner des conseils. Et puis moi, en tant que femme, j'ai cette capacité à ne pas avoir confiance en moi, donc à me remettre perpétuellement en question face à qui que ce soit. Bien sûr, on rencontre des difficultés. Pour vous donner un exemple, je prends un exemple tout récemment. J'ai eu un marché, je suis allée et j'ai fait le devis, j'ai donné au gars et il devrait me donner le marché. Mais en étant femme, il a vu que non, que je devrais venir travailler seulement, il va chercher ce qu'il a seulement pour me donner. Or, pour ça, nous aussi, on travaille comme les hommes et il faut encore en plus travailler avec des matériaux de qualité. El machismo es siempre una dificultad. Entonces, una mujer en el oficio de la construcción, tenemos que demostrar siempre, tener una obligación de estar constantemente mostrando ejemplos y mostrando el trabajo para ser reconocida. Siempre también que estamos trabajando, o que se integra algún hombre al equipo, algún voluntario. Siempre desde afuera la gente reconoce la llegada de un hombre al equipo como que llegó el jefe, que es el más conocedor, o siempre que es el que lidera el equipo, el que dirige. Si tú llevas un equipo en la obra,
mi forma de llevar un equipo es más colaborativo para que haya una coherencia, buscar una horizontalidad. Se tiene que trabajar desde ellos también y puede ser tan incómodo para ellos mover este esquema de trabajo vertical hacia el horizontal como una amenaza y al final no quieren entrar a esto. J'ai dérangé quelques-uns de mes collègues hommes. Je me suis trouvée systématiquement écartée des élections des divers comités et conseils scientifiques et souvent très mal servie par ces mêmes conseils. Cela s'est passé à l'université. C'est dans cet environnement de scientifique de mon niveau que j'ai senti la ségrégation en femmes. J'ai vécu une sorte de machisme que je n'ai jamais rencontré auparavant dans les milieux plus simples, dans les villes de l'intérieur, lorsque j'ai travaillé comme ingénieur. Alors c'est parfois un peu gênant d'arriver sur des chantiers où je sens qu'il faut que je fasse mes preuves. Ça arrive où, voilà, quand j'arrive, on m'observe un peu, on sait pas trop si je suis là en tant qu'assistante ou pour porter les outils ou... on sait pas trop. Mais voilà, alors c'est souvent quand même super bien accueilli et par les clients ou par les autres artisans et donc voilà, c'est très chouette. Mais ça arrive quand même où je sens que voilà, qu'il y a des regards, on m'attend un peu au tournant et puis je rentre parfois dedans où effectivement du fait d'avoir cette sensation de devoir prouver, je rentre un peu dans ce système-là et je trouve dommage justement de devoir légitimer ma place en faisant preuve d'eux, parce qu'au final je n'ai rien à prouver à personne. Je devais être la femme de Monsieur Wheeler, c'est qui? C'était mon père et les gens avaient tendance à penser que si j'arrivais sur un chantier, j'allais mesurer quelque chose et tout ça, mais c'était pas moi qui allais faire le chantier, évidemment. Par contre, avant, effectivement, c'est là que j'ai eu affaire au patriarcat. Donc, mon père, quand j'ai eu 7 ans, je dis papa, moi je voudrais être peintresse. Et mon père, il m'a dit ma fille, c'est pas un métier pour les filles. Mon père était artisan, ma mère travaillait avec lui. Elle n'a jamais été déclarée comme étant artisane alors qu'elle travaillait vraiment dans l'entreprise. J'ai dû attendre jusqu'à l'âge de 20 ans pour pouvoir enfin faire une formation qui, à l'époque, était des formations dans des écoles. En France, on n'acceptait que des garçons. Donc du coup, j'ai fait une école de garçons à un moment donné. Et donc assez déjà âgée, j'avais passé mon bac, tout ça. Mais je crois que là, ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'il m'a vu en détresse par rapport à mon travail. Il a vu que je n'arrivais pas à trouver une autre voie. Et à ce moment-là, il a dit « Ok, bon, je vais m'occuper ». Et j'ai pu, comme j'allais avec lui sur les chantiers, tout ça, il voyait bien que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et donc, il a accepté. Et côté paiement, nous sommes maltraités par rapport aux hommes parce qu'ils trouvent que nous ne sommes pas disposés comme les hommes à travailler tous les jours parce que oui, donc nous sommes maltraités côté salarial, nous n'avons pas les mêmes conditions que les hommes. Et sur les chantiers, bon, les problèmes ne manquent pas. Oui, il n'y a pas l'hygiène. Oui, pour nous femmes, il n'y a pas de toilettes. C'est des toilettes uniques pour les hommes que nous devrions fréquenter, où il n'y a souvent même pas de toilettes. Donc les hommes, eux, ils peuvent le faire au dehors, mais nous femmes, ça cause vraiment un problème. ಇವಾಗ ಗಂಡಸರು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಂಗಸರು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ನಿಂಚೆ ಇರೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲ 5-6 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗಂಡಸರು ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇರೋಕಾತೈತೆ, ಇರೋಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹುಡುಗ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಾಕ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೋಗೋಗಂಟ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಗಂಡಸಾದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಆಚೆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೆ
私は今子供はいないんですけど、例えば子供がいる女の職人さんとか、なんかちょっと大変そうだなって思います。やっぱり子供は女が見るっていう固定概念が強いですよね、日本はね。まあそれも今だと8時から5時にまで働くっていうのが They have been facing kind of pushback from their families, from other people in the village. They're doing something very unusual. They get a lot of, you know, side eyes and not very happy looks by the people around here. But also, I've not even been able to get them to use certain amount of safety equipment and things like that, because they're so socially conditioned not to wear boots. Boots is a men's thing. Power tools is a men's thing. You're asking us to do something that men do. And so it's been a very difficult challenge to get them to cross those barriers in their own minds. And I think that those internal barriers are really the hardest. And that can go away with more role modeling. We need to model more, we need to showcase more, we need to encourage more, and we need to let them know how good they are, that they're not less than, and I think that can go a long way. Moi, je pense que ce qu'il faudrait changer aujourd'hui par rapport au regard qu'on porte sur le métier du bâtiment et la place de la femme dans le bâtiment, ça serait peut-être de commencer de toucher un public beaucoup plus jeune, parce que les adultes, ils ont fait leur chemin. Il y a beaucoup de communication à faire, bien sûr, pour tout le public, mais commencer à sensibiliser les petits. Les petits, dès la maternelle, dès le collège, dès l'école primaire, les sensibiliser à cette ouverture. Cette ouverture et dire en fait qu'il n'y a pas des métiers pour hommes et des métiers pour femmes, mais plutôt pouvoir suivre sa passion et trouver son chemin par rapport à ce qu'on a envie de faire. Pues para empezar, creo que es muy bueno que estemos muchas mujeres o pocas mujeres, ¿no? Pero que estemos, ¿no? Empezando a reconocernos en estos espacios, porque ya para empezar con eso, creo que ya se empieza a visibilizar un poco más nuestra presencia, ¿no? Que vemos mujeres que nos gusta la construcción y que sabemos de construcción, ¿no? Entonces creo que con eso empezar a visibilizar es un gran paso, ¿no? Para empezar un montón de pasos más, ¿no? And the next is probably looking at the parity in pay. Not only for professionals, for architects who have done more than 5 years of education, or even the construction workers, they're not paid equally, and that's something that needs to change. Yo siempre también he dicho que el cambio lo podemos generar nosotras mismas, desde la parte de no seguir alimentando estas competencias que alimentan a su vez este tipo de machismos en cualquier plataforma, sea en campo o sea en oficina, y nosotras mismas generar estos espacios, ¿no? Generar espacios que involucren a otras arquitectas, a otras constructoras, generar plataformas de enseñanza y de aprendizaje que nos alimentemos unas a las otras, ¿no? Si hay un espacio en el cual no está destinado para mujeres, creémosla, ¿no? Es importante que revaloricemos la construcción, y es por eso que creo que construir con tierra tiene tanto significado, porque construir con tierra y con materiales naturales tiene procesos que podemos cambiar las estructuras y cambiar la forma en que se construye, y así pueden integrar a mujeres, integrar a niños, integrar a gente mayor y a cualquiera que quiera involucrarse en la construcción. El liderar un proyecto sin maternar al equipo, porque finalmente crecimos en una sociedad machista donde todos tenemos muchos comportamientos aún arraigados en nuestro actuar, tanto personal como profesional. Entonces, nosotras las mujeres, bueno, al menos yo, para mí es un constante trabajo
el no tomar responsabilidad de otro integrante del equipo que a una no le corresponden, pero que igual lo hace por el bien del proyecto. La carga mental que se nos da a nosotras las mujeres en un grupo mixto es altísima, creo yo, lo cual finalmente perjudica en el desempeño de los demás integrantes y por supuesto el resultado final del proyecto. Para las mujeres en la construcción con tierra se conjugan dos grandes desafíos. Por una parte, ser mujer en la construcción y por otra parte, construir con tierra. Desde una perspectiva sistémica, creo que una de las claves sería tener más lugares accesibles donde se pueda aprender a construir con tierra y construir bien. Porque entonces aumenta la confianza en este tipo de construcción y aumenta la confianza en las capacidades de una misma. También, todas y todos como sociedad, desde las personas y hasta las instituciones, deberíamos desarrollar más capacidades para la interculturalidad y así apreciar mejor las distintas formas de habitar y de construir. Il faut changer de mentalité et il faut croire que les femmes aussi peuvent faire mieux et que les femmes aussi n'ont qu'à changer de mentalité parce qu'il y a des femmes qui croient que non, en étant femme, je ne peux rien faire dans la vie. Ma place seulement c'est dans la cuisine, ma place seulement c'est à la maison. Il ne faut pas qu'on essaie de remplacer les hommes ou se faire accepter par les hommes. Non, on a une place. Et bah, quand on la prend, j'ai l'impression qu'on... On rend service tout autant au bâti qu'à nos collègues masculins, que également aux vivants en général, aux beaux projets. Vive la mixité. Et bienvenue aux femmes sur les chantiers. Nous en avons bien besoin. Ce qu'il faut changer, c'est le regard et c'est notre société patriarcale qui doit changer. Voilà. S'il n'y a pas ça, on changera des petits points, des petites choses vont changer, mais c'est donc vraiment un regard sociétal, c'est quelque chose de très profond dans la société qu'il faut changer pour qu'on ait accès et une égalité à tous les niveaux, et surtout au milieu du bâtiment. Dans ce beaucoup plus vaste que ce qui se passe uniquement dans le bâtiment, c'est vraiment l'égalité de la femme et de l'homme, et du coup tout ce qui est autour de l'éducation des jeunes enfants, entre autres, mais aussi des personnes âgées, hein, parce que tout le monde a besoin d'être éduqué là-dessus, et de cesser de genrer tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Une femme et un homme peuvent tout faire aujourd'hui, et ça depuis toujours d'ailleurs. Savoir plus en détail, et je pense que c'est intéressant pour tout le monde aussi. Comment, parce que tu as travaillé presque 30 ans, combien d'années c'est que tu travailles dans ce métier? What, 40? Ouais, 40 ans. Donc, comment ça, est-ce que tu vois que ça a beaucoup évolué et tu vois qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les chantiers et tout ça, ou ça évolue pas assez bien que tu voulais? Ça évolue peut-être pas assez vite, parce que je suis un peu quelqu'un qui aime que ça aille plus vite, mais c'est sûr que ça change. Et qu'aujourd'hui, ça change plus vite qu'il y a 30 ans.
voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus que ça. Oui, ça change, oui, ça change pas assez vite, mais après, on est lancé, enfin, c'est comme une vague, quoi. Donc on est lancé, je pense que ça va continuer, et surtout, la vague, elle part comme un peu un tsunami là en ce moment. Donc après, il faut faire attention au retour. Le retour de manivelle, il peut être sévère. Et on le voit, n'est-ce pas? On le voit beaucoup dans le monde, que le retour est... Il y a quand même encore beaucoup de résistance. Et il faut avoir l'œil bien ouvert, je crois. Et voilà. Et j'ai répondu tout bien. Peut-être, j'ai l'impression, je ne sais pas justement ce que tu en penses, mais quand tu racontes dans ton parcours que les formations n'étaient pas du tout accessibles aux femmes et que maintenant, de plus en plus, même s'il y a encore du chemin à faire, les femmes peuvent se former. Mais maintenant, bah, c'est peut-être dans la vie active, en fait, que le chemin... est encore long, parce que déjà il faut se former, puis ensuite il faut aller sur les chantiers. Et peut-être il y a encore une différence à ce niveau-là. Je ne sais pas, peut-être si tu peux dire un petit mot. J'ai entendu plusieurs femmes là expliquer, par exemple, l'histoire des toilettes, ça semble ridicule. Mais j'ai appris qu'il y avait, il n'y a pas longtemps, des pisses de boue. Alors là, j'étais épatée, moi je savais même pas que ça existait. Moi, ma grand-tante, elle savait pisser à Paris, dans la rue, comme ça, sans que personne ne voit. Mais là, maintenant, il existe des matériels exprès. Et on a du matos qui s'appelle des pisses de boue. Voilà. Très utile sur les chantiers. Très utile sur les chantiers. Incroyable. Non, vous allez dire, là, aujourd'hui, je suis à la retraite depuis ce matin. Mais quand même, je vais continuer un petit peu à travailler et j'ai vraiment envie qu'ici, en France, on crée un titre qui soit enduiseur et enduiseuse. Et designer et designeuse en terre crue. Parce que je recentre un petit peu sur le côté terre. Pour moi, c'est important ce rapport à la terre. Et c'est. Même si c'est un défi de travailler avec ces matériaux, on n'a plus le choix. Alors, moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Bon, vous savez, on n'a plus le choix. Donc, il va falloir y aller. Il va falloir y aller avec ce choix-là qui est incompressible, et avec le choix des femmes qui vont être à égalité, à côté, avec. Mais je voulais quand même te remercier, parce que du coup, j'aurais pas l'occasion, peut-être après, quand c'est fini. Et te demander aussi ton regard. Enfin, vraiment, tu nous as beaucoup porté, quoi, sur ce coup-là. C'est quand même toi qui as toute cette énergie, donc j'aimerais bien que tu me racontes. Tu dois poser une question à Andrea. C'était ça. Non, je répondrai peut-être tout à l'heure, mais. Donc, Andrea, moi, je voulais te poser cette simple question. Tu travailles sur l'écologie en général, sur la formation en général, mais pourquoi spécifiquement sur les femmes? C'est quoi qui t'a porté là? Je pense que je me suis approchée au thème de l'écologie et de l'environnement par un besoin de justice, finalement, de justice qui a cette dimension, la dimension sociale, mais inter-espèce aussi, non ? Et que si je fouille assez loin dans le passé, je me rends compte que depuis très petite, j'étais interpellée par des moments d'injustice.
Et un de ces moments, ça a été en ce qui serait équivalent à CE2, je pense, maintenant. Moi, j'avais une maîtresse d'école que j'adorais vraiment. Un jour, j'avais dit à ma mère que j'aurais bien aimé que ma maîtresse d'école soit ma mère. Donc, tu t'imagines, oui, ça a été désastreux, ça, mais... Mais malgré le fait que j'admirais beaucoup, j'aimais beaucoup ma maîtresse, au moment où il fallait se convertir en pionnier de la patrie, parce que c'était encore le communisme en Roumanie à ce moment-là, elle a dit, ben voilà, aujourd'hui, on va décider qui va être chef de groupe et qui va être chef de la classe. Alors, elle a dit, bon, il y a dans la classe 4 filles qui ont une moyenne de 10 et un garçon. Et donc, comme il peut avoir seulement un chef de classe et 3-4 chefs de groupe, ben, évidemment, le garçon va être le chef de la classe et les filles vont être les chefs de groupe, donc les subordonnés du chef de la classe. Et moi, j'ai senti tellement injuste ça, sans aucun argument, sauf celui-là. Donc, ça m'a brisé le cœur. Et par la suite, je crois qu'on vit avec ces situations-là et on termine par s'y faire. Après, à l'université, le professeur qui était censé nous emmener sur le chantier, c'était celui qui nous disait que, bon, de toute façon, c'était pas très pertinent, très important pour nous, surtout pour les femmes, parce que nous, on allait après se dédier plutôt à la décoration intérieure. Donc, je pense que oui, j'ai vécu avec cette incommodité pendant très longtemps, et ça a été assez tard que je me suis assumée en tant que féministe. Ça a été en grande partie grâce au réseau MAC. Et ça a été encore la prise de conscience d'une situation sociale que je trouve très forte et très injuste que finalement j'ai dit oui, je suis féministe. Et la réalité, c'est qu'au Mexique, toutes les 10 minutes, il y a une femme qui meurt, qui est tuée par son compagnon de vie. Donc ça c'est une situation très très douloureuse. Et du coup, je crois que j'ai trouvé dans le réseau MAC cet espace où il y a de l'écho, où j'ai pu apprendre plus sur le sujet et que à mon tour je nourris. Donc il y a cette espèce de cercle virtueux entre le réseau MAC et moi en tant que personne. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivée à travailler sur le thème du genre, je pense. Et il suit la question pour Rosie. Alors, j'aimerais bien revenir à cette idée de comment certaines choses qui passent et dont les vidéos donnent témoignage traversent les frontières et les cultures. Et donc, je voudrais te demander, Rosie, en partant de ton contexte et de ton expérience, quelles sont les situations qui t'interpellent des témoignages qu'on a vus dans la vidéo, surtout dans la seconde partie? Merci, Andrea. En fait, il y a presque tous les témoignages qui étaient dans la vidéo qui me parlaient. Le fait de il n'y a pas des toilettes aussi, et même les choses qu'on doit faire une preuve qu'on sait les choses qu'on fait et tout ça, mais j'aimerais parler spécialement sur les choses que vous avez dit, comme c'est important de créer des espaces pour que les femmes puissent travailler ensemble, les femmes peuvent être formées et tout. Et en fait, j'ai une expérience maintenant, j'ai fait un chantier en Inde.
Et on le fait avec 100% femmes. On forme les femmes qui étaient des main-d'œuvre dans d'autres chantiers. C'est un village à côté de Bangalore. Et je pouvais le faire parce que le client avec qui on travaille, elle aussi, elle est à fond pour dire que oui, on doit faire quelque chose qui peut aider ces femmes qui travaillent comme des main-d'œuvre, qui ne sont pas payées pareil comme des main-d'œuvre qui ont des hommes, presque moitié, je pense. Et on a dit, ok, donc pour. Elle a dit, elle s'appelle Sindhur, elle est parlée en anglais, elle est dans cette vidéo. Elle a dit que, ok, pour ma maison, on va essayer quelque chose, on va faire une demande pour les femmes qui travaillent. Parce qu'il y a beaucoup de chantiers là-bas, c'est un endroit où il y a beaucoup de construction maintenant. On va faire une demande et appeler des femmes qui sont intéressées pour venir et travailler comme des maçons. Et on va les payer pareil. Et c'était génial, c'est quelque chose que je veux faire et je voulais faire et je vais faire aussi. Donc on a commencé à faire ça et ça passe tellement bien. C'est vraiment un espace où toutes les femmes sont très confortables là-bas. Elles sont contentes de travailler là. Elles ont son propre rythme. C'est pas comme des chantiers où il y a tac, 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 et tu peux faire ça et tu passes à l'autre. C'est plus à l'aise. Et c'est possible aussi que le client, elle n'a pas un problème avec ça. Des fois, des chantiers, tu n'as pas le temps, vraiment. Mais c'est une ambiance vraiment géniale. Des fois, il chante quand il fait des choses. Et en fait, ça me donne aussi. Moi aussi, je prends beaucoup de choses quand j'y vais là-bas et je travaille avec eux. Et j'ai plus envie de partir parce qu'après ça, je dois rentrer et c'est la vie normale. Ça, c'est un petit espace où. C'est quoi? C'est une utopie maintenant. Mais aussi, on a eu beaucoup de résistance aussi. C'était pas a bed of roses. beaucoup de résistance d'autres personnes des villages, parce que c'est pas normal. Je pense que dans les vidéos aussi, elle a parlé. Les clients, Sindhur, elle a parlé qu'il y avait beaucoup de résistance. Des fois, il y a des matériaux qui n'arrivent pas dans le chantier parce qu'il y a quelqu'un qui a raté ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de résistance, mais on y arrive et c'est bon. Et j'aimerais aussi dire qu'on a un supervisor qu'on a pris. Elle est une jeune femme qui est 22 ans. Et on le forme comme supervisor maintenant pour qu'elle puisse devenir chef de chantier. Et elle fait ça très très bien. Elle fait une liste très compréhensive de tous les matériaux qui passent et tout ça. Elle dirige très bien. Et je pense que si on donne des opportunités des femmes, les femmes vont y arriver. Et c'est ça que ça manque, c'est la confiance qu'on est pareil. Et c'est. Des fois, je ne comprends pas pourquoi c'est 2022 et même maintenant, on parle que les femmes sont égales. C'est bizarre. Mais c'est comme ça, mais j'espère que ça va changer. Je vais répondre rapidement à ta question, Sylvie, et comme ça, ça permettra de continuer ensuite avec le public. Moi, en fait, je crois très fortement en fait que les espaces où les femmes peuvent échanger entre elles et se raconter mutuellement leur parcours de vie et leur parcours de difficultés, de stratégies. Sont nécessaires, en fait, sont ultra importants pour pouvoir trouver la force de continuer, la confiance de continuer
dans ces métiers d'hommes, dans ces métiers dans lesquels, comme on le voit, on doit tous les jours démontrer et être toujours au top de notre forme pour réussir à affronter, en fait, ce contexte. Et moi-même, j'ai eu dans mon parcours un moment où je me suis dit « bon, les chantiers, c'est plus fait pour moi ». Et je me suis dit que, en fait, c'était pas parce que j'étais une femme, mais parce que, en fait, j'en avais marre et que j'étais peut-être trop fatiguée et que, voilà, j'avais plus envie de faire ça. Et puis, je me suis dit, bon, quand même, je vais essayer un peu de rencontrer d'autres femmes parce que je travaille avec beaucoup d'hommes. J'ai participé à un chantier où nous étions que des femmes et c'était revendiqué que ce soit un espace où il n'y avait que des femmes sur ce chantier. Et ça a été assez hallucinant parce que même si je me considère féministe depuis très jeune et que j'ai cru que j'avais déjà compris plein de choses, récemment, pendant ce chantier où nous étions que des femmes, je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais beaucoup le chantier et que j'adorais ça. Et que j'étais pas du tout fatiguée et que j'étais prête de nouveau à me lever très tôt et rentrer très tard parce que j'étais dans une ambiance en fait qui me convenait, dans une manière en fait de travailler, de collaborer qui me convenait bien mieux. Et tout à coup j'ai vu à quel point ce que je vivais souvent sur les chantiers dans lesquels j'étais, c'était pas facile et que cette manière de prendre les décisions tout à coup entre femmes où on se respectait, on n'était pas toujours en train de montrer qu'on sait mieux. Et en fait, ça m'a fait vraiment énormément de bien. Et donc voilà pourquoi je suis très contente de ce moment d'échange et de ces vidéos, parce que c'est justement en partageant et en parlant en fait de cela, je pense qu'on peut en prendre conscience et aussi peut-être mieux le vivre. Et se sentir plus légitime, en fait, dans qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais passer la parole si d'autres des personnes du public souhaitent raconter quelque chose. Si ce que nous avons, dont nous avons parlé, ces vidéos ont fait résonner des choses à l'intérieur de vous, si vous avez envie de partager une anecdote. Parfois, c'est plus facile. Ou même si vous avez envie de poser une question aussi à nos invités. Voilà, la parole est à vous. Et on va faire passer un micro. Donc, vous pouvez lever la main si vous avez envie de prendre la parole. Pas facile. Hein. Je suis sûre que, en fait... voilà. Merci déjà pour cet échange. Moi, pour être honnête, avant de venir, je pense que je ne me rendais pas compte de ma place, de la violence d'être une femme dans ce genre de milieu. Et je me posais la question aussi, qu'est-ce que ça va apporter finalement de faire quelque chose, de produire un événement qui soit en majorité non mixte, donc qui soit qu'avec des femmes, puisque je me disais beaucoup aussi que si les hommes ne sont pas là pour assister à l'événement, à quoi ça va servir finalement? Nous, on est déjà assez sensibilisés, entre guillemets. Enfin, je pensais être assez sensibilisée en fait à ça. Et je me suis rendu compte que le travail il s'est déroulé avec une grande fluidité et qu'il y avait beaucoup de communication. Et je me suis aussi rendu compte que du coup, dans les événements avec de la mixité, on était beaucoup moins écoutés. Et de fait, le travail était produit, était moins bien finalement. Et du coup, je suis contente d'être venue là pour me rendre compte que finalement, entre femmes, on peut évoluer, on peut se respecter, on peut communiquer, parfois bien mieux qu'avec les hommes. Et surtout, on ose prendre la parole bien plus souvent qu'en présence d'hommes. Voilà, j'espère que ça va changer, mais je pense que le but de ce workshop, c'était aussi pour nous de reprendre conscience encore qu'il y a il y a plein de choses à changer, même si ça change et ça évolue. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je voulais juste rappeler que, en fait, c'est
pas du tout réservé aux femmes, ni le workshop, ni la formation professionnelle. Voilà, c'est vraiment un espace mixte. Et il s'avère que bah, les hommes, ils y vont pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour, moi j'avais une question. Vous parliez de, d'échange de stratégies. Et je voulais vous demander, pour vous qui avez l'expérience de travailler sur les chantiers et d'y avoir travaillé longtemps, pour certaines, comment vous êtes adapté, comment vous avez fait pour tenir physiquement, parce que la terre, c'est très sympa, mais c'est très très lourd, c'est très exigeant. Et voilà, est-ce que vous auriez des, je sais pas, des conseils ou des stratégies, ou est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites là-dessus, des échanges qui ont été faits qui sont consultables? Dans les formatrices là. Oui, dans les formatrices, est-ce que vous avez envie de répondre? Moi, j'utilise les machines. Et les autres. Well, to, shall I say it again? Yeah, I use machines. Diggers, big, you know, mechanization, but also working together. Kind of that, it's that simple for me. Moi, je suis d'accord avec Becky, et j'ajouterai aussi que j'essaie plus que possible, c'est difficile parfois, d'aménager le temps de travail. Je pense que dans l'éco-construction en général, on a souvent tendance de faire des journées très longues de travail. Et donc j'essaie de veiller à ce qu'on travaille un nombre d'heures correct, on va dire. Et un nombre de jours dans la semaine correct aussi, physiquement. Dans cette question de trouver cet équilibre-là, j'arrive pas toujours à mettre ça en place, mais quand j'arrive à le mettre en place, c'est super. J'ai une réponse, hein. Ça va un peu à l'encontre de l'écriture de bâtiment. Pour moi, si je pouvais travailler six heures par jour et 4 jours par semaine, ce serait super. Et souvent, c'est un peu plus que ça. Bon ben moi je suis d'accord avec Alison, mais je le fais moi-même puisque je suis chef de chantier, donc j'organise mes chantiers selon mon physique. Je travaille beaucoup plus au printemps, l'été, beaucoup moins en hiver, par exemple, et puis pas forcément 5 jours sur 7. Voilà, j'organise beaucoup les chantiers comme ça. D'ailleurs, comme je travaille en participatif, je crois que c'est bénéfique pour tout le monde. Et puis, en revanche, non, contrairement à Becky, je n'utilise quasiment jamais de machine. Mais j'adapte beaucoup mes matériaux et la manière de travailler. Il y a donc la terre s'allège, par exemple. Et puis le corps, on peut aussi apprendre à travailler avec son corps, avec moins de force. Donc il faut peut-être apprendre avec des femmes, pour les femmes, pour apprendre à travailler avec... voilà, il existe des tas de méthodes. Travailler avec l'ensemble du corps, de l'énergie plutôt que de la force. Voilà, pour moi ça va. Maybe it's repeating what's said, but... And I there was a bit of a joke about the machines, because I don't do that all the time. Only when it's efficient to do that, because often it's more efficient to work with others, but also the way you use your body. It's perfectly possible. I use my hips and my thighs, and you know, it's a lot about technique. And then I guess it's also about just experience and sharing that. So I think I've been on a lot of building sites where it's nearly all men, and I never felt physically less able, really, than them, just by changing the way I did things or getting some help, I think. Emmanuel? Alors moi je crois que je suis pas très bonne en stratégie de ça. Moi je suis pas très bonne en prévention plutôt, mais par contre après
en pensant plus du coup, après. T'as pas tout compris encore. Non, moi je m'impose un peu, même si c'est pas m'imposer quelque chose, parce que je le fais avec plaisir, mais je fais beaucoup d'étirements et du yoga le matin déjà pour réveiller mon corps, et après le soir. Et alors ça me prend une demi-heure, une heure parfois, mais je crois que c'est quelque chose que, ouais, qui est important dans mon quotidien. Et si je le fais pas, je sens les fois où je le fais pas parce que je suis un peu trop fatiguée, parce que c'est aussi quelque chose qu'on intègre dans son quotidien. Donc quand on finit tard, voilà, ça prend du temps sur plein de choses, là, ça fait des journées super longues. Mais ça me fait beaucoup de bien. Après, j'essaie de plus en plus effectivement de voir avec le corps, mais parfois voilà, le rythme de travail, et puis voilà, on est pris dans un rythme qui fait que bah, voilà, j'avoue que je suis pas très bonne encore là-dessus. Voilà. Quelqu'une d'autre voudrait prendre la parole, quelqu'un d'autre? Bonjour, du coup, moi je me pose la question, est-ce que c'est bien les rencontres entre femmes et tout, mais est-ce qu'à un moment il ne faut pas aller à la rencontre des hommes aussi pour faire changer les mentalités? Enfin, c'est une question un peu ouverte, quoi. Moi je suis associée à 5 hommes dans le milieu de la construction. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Parce que je pense qu'ils ont une ouverture d'esprit assez chouette aussi. Et du coup, c'est intéressant de vraiment aller à leur rencontre pour que ça bouge, quoi. C'est une question. Moi, je veux bien répondre vraiment rapidement et laisser la parole à d'autres. Mais en fait, je pense comme toi que c'est important de continuer à vivre avec toutes les personnes qui habitent sur cette terre, évidemment. Je pense par contre que les moments comme ceux qu'on vit maintenant ou ceux qu'on peut vivre en petit comité entre femmes, c'est des moments de ressources, des moments en fait, qui sont nécessaires pour justement prendre conscience de certaines choses et puis aussi avoir les mots parfois, trouver les mots pour répondre dans certaines situations qu'on pourrait vivre au quotidien. De sexisme, de discrimination ou juste voilà, pouvoir se sentir un peu plus forte. Et pas être toute seule dans son coin, en fait, à vivre en fait des situations qui nous oppressent et qu'on aurait l'impression de vivre juste toute seule. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son avis ou rebondir? Moi j'ai passé 40 ans à travailler. Pas exclusivement, mais quasiment exclusivement avec des hommes. Hein. Donc, voilà. Je pense que c'est la moitié de la population. Le problème, c'est que j'aurais pu être 50-50, mais non. Voilà. En fait, j'ai travaillé beaucoup avec des hommes. Et je voulais juste reparler de cette histoire de corps et tout ça. Quand j'ai commencé, j'étais à Paris, et je travaillais dans une entreprise où il y avait les hommes faisaient du plâtre, donc les sacs de plâtre faisaient 50 kilos. Je mesure 1m50. Je les portais, juste pour montrer que je pouvais le faire, quoi, ce qui était débile complet. Par contre, je ne me suis pas abîmée parce que je dois être un peu robuste, mais voilà. Mais maintenant, je partage le poids de tout quand je peux. Parce que voilà. Mais je fais aussi comme Emmanuel, je fais beaucoup de yoga, de choses comme ça pour arriver à tenir. Et on a fait la gym avec Kenya là, tous les matins. Quand on fait déjà la gym au lit, ça c'est pour dérouiller, puis après on se met debout, puis après on fait plus. I'm going to reply in English because I can explain myself better in English. So I think to respond to, you know, how do we carry the weight and all the problems that women face when they are on the site. I think for the longest time, women have been trying to fit themselves in to a world that men have created. It's not their fault. They were working, so they did things the way that it helped them work better. But now that it's
that we are trying to come more and more and say, we have a place, like I think Olivia had mentioned in the video, we have a place on site. I think it's okay to make our own rhythm, to have tools that work for us, to work the way that will help women. So maybe it means that there shouldn't be sacks of lime that are 50 kilos, or maybe there should be smaller ones, you know? Because the whole world has been made for such a long time. It's the men who said, okay, this is going to be the weight of the sacks of cement or lime. It needs to change. And I feel that that happens only when there are more and more women on site and more people saying this doesn't work. So there needs to be women on site, in the offices, in the places that make these laws, make these rules. And that's how we can change the world. It has to be everywhere at all levels. And that's how we can finally be called and live in an equal world. Thank you. J'avais aussi un commentaire à faire. C'était... oui, moi j'habite dans un écolieu, on est plusieurs, une vie communautaire mixte. Et j'avais remarqué, en fait, on mène plusieurs chantiers personnels et tout ça, il faut... voilà, on prend des initiatives pour faire une cabane, on prend des initiatives pour restaurer une vieille grange, etc. Et en fait, en parlant, je voulais reprendre le concept de la charge mentale qu'on peut avoir les femmes en général, surtout dans la construction, parce que j'avais remarqué que chaque fois qu'un homme dans l'écolieu prenait une initiative, sans rien dire à personne pour construire quelque chose, tout de suite, automatiquement, on allait lui dire « Ah, t'as besoin d'aide, comment je peux aider ?» Voilà, c'était automatique qu'on puisse venir à ces chantiers-là. Et que moi, quand je prenais une initiative pour commencer un chantier, en fait, il n'y a personne qui venait m'aider. Parce qu'ils assumaient en fait que voilà, je n'avais pas besoin d'aide. Donc c'était intéressant parce que quand j'ai soulevé ça en réunion, on m'a reproché de ne pas l'avoir dit avant, de ne pas avoir prévu mon chantier, de ne pas avoir mis mes besoins sur la place et tout ça. Nous, on aurait aimé t'aider, mais tu n'as rien dit, on ne savait pas si c'est oui ou non. Et donc du coup, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, ah oui, mais en fait, il faut que je prépare beaucoup mieux, il faut que je sois bonne en communication, il faut que je prépare que je sois claire à faire ça. Donc ça m'a un peu mis la pression pour mon prochain chantier. Et alors que c'était même pas un truc plié, c'était juste un truc, voilà. Et après, je me suis dit, mais en fait, Quentin, machin, Benjamin, ils ont fait leur chantier, ils n'ont pas eu besoin de faire tout ça, ils ont juste pris l'initiative et tout ça, et ils ont eu des lèvres automatiques, ça s'est passé de façon organique. Donc, oui, effectivement, et en plus, voilà, ces reproches-là, c'est surtout venu des femmes, en plus, des clartés, des besoins que ce soit très, très, très clair pour prendre l'initiative. Donc c'était pour moi important de soulever cette charge mentale qu'on peut avoir dans la construction. En fait, c'est d'exigence. On nous demande un peu plus, il y a plus d'exigence envers nous en général. Et c'est même pas, ce n'est pas conscient en fait. Moi, je ne me suis pas rendu compte de ça jusqu'à après, des mois après avoir réfléchi à cette histoire-là et que ça m'a un peu impacté à quel point moi je voulais juste faire mon truc et il y a eu plein de reproches en fait. Et sinon, je voulais revenir sur le commentaire, voilà. Je pense que voilà, Sylvie, elle a bien pointé avant que en fait, ce n'est pas un événement non mixte. C'est juste que dans le titre du projet, il y a le mot femme, et que ça peut faire peur à beaucoup de personnes, surtout des hommes, et que en fait. C'est intéressant de voir comment, en fait, ce n'est pas dit réservé aux femmes, mais juste parce que dans les titres, il y a ce mot-là, il y a des personnes qui peuvent se sentir jugées ou non bienvenues, alors que ce n'est en aucun cas l'intention de... Je n'ai jamais senti, en fait, cette intention dans les lieux. Et donc, c'est clair que moi, à chaque fois que je vois la majorité, ça me fait plaisir parce que... Du coup, ça veut dire que les femmes se sentent en sécurité de venir là, voilà, ils se sentent dans un space safe, et c'est nécessaire parce qu'on n'en trouve pas des espaces comme ça dans le monde. En fait, il y a plein d'endroits mixtes, il y a plein de... Voilà, on a beaucoup parlé qu'il y a plein d'événements où c'est les hommes qui lidèrent, voilà, c'est censé être mixte, mais en général, c'est les hommes qui lidèrent. Il y a peu d'événements où on peut se sentir en sécurité de tout s'exprimer ou des petits comités. Et donc, moi, je me dis que petit à petit,
voilà, les hommes vont faire leur travail de leur côté et se sentir de plus en plus bienvenus dans cet espace-là où on est tous égaux et qu'il n'y a pas ce côté-là de se sentir jugé, parce qu'au final, je pense que la friction peut venir de ça. On se sent jugé ou alors on sent que c'est une bataille de sexe ou je ne sais pas quoi. Et alors, ce n'est pas du tout le cas, c'est juste voilà, qu'on répond à nos besoins en fait. M'entendez? Oui. J'aimerais ajouter aussi que moi je suis très heureuse d'être là et je suis très émue par ce qui se passe maintenant, parce que ben, j'ai vraiment ce sentiment que dans le système patriarcal, les femmes elles sont poussées à penser que quand on se retrouve, en fait on peut pas s'entendre. Voilà, il va y avoir de la chamaillerie. Et je pense que ça, c'est vraiment une pure construction qui nous empêche de nous écouter et de collaborer. Et donc, voilà, je voulais vous remercier d'être là et de jouer le jeu d'être ensemble, parce que c'est super riche. Et voilà, ça donne beaucoup d'espoir. Donc, merci beaucoup. Juste pour... Bah, du coup, ça me fait penser. Alors, en fait, moi, mon cerveau, il marche comme ça. J'entends quelque chose, je me dis, ouais, ça me fait penser à autre chose. Et j'allais dire, oui, le fait de montrer ou de dire que ça va mal se passer entre les femmes, c'est vraiment là, je le comprends là, maintenant, c'est vraiment parce que ça divise et que la division, ça laisse le pouvoir. Voilà. Domination. Est-ce que... Alors, je sais pas si vous m'entendez. C'est plus une... Je suis là, c'est lui. C'est plus une réflexion qu'une question. En fait, le souci que j'entends entre les... Enfin, de la place des femmes, je pense que la même chose est vécue par les hommes, par les jeunes. En fait, c'est les mêmes schémas qu'on trouve par rapport aux jeunes, parce qu'on se rend compte que ce soit des femmes, des jeunes ou des gens d'origine différente dans certains pays. On est une société, en effet, généralement patriarcale, qui est pas mal basée sur le domaine de l'exclusion. Et pour moi, cette société, c'est la nôtre. C'est nous qui la faisons. Hein. La société, c'est comme un village. Est-ce qu'on y... C'est un village à une plus grande taille. Est-ce qu'on imaginerait un village où il y a des hommes, il y a des femmes, ils ont fait des enfants, et ils se disent aux jeunes « Prouve-moi que tu es digne de rejoindre le monde des adultes. » Et on est une société où on est toujours en train de dire « Prouve-moi que tu es digne de nous rejoindre. » Mais on se dirait, à l'échelle d'un village, c'est complètement idiot. Est-ce que c'est pas le rôle des adultes d'embarquer les jeunes, de leur transmettre et de leur dire « Tiens, regarde comment on fait, je te montre. » Et puis, le savoir, c'est formidable. C'est pas un objet que je donne et je l'ai perdu. Le savoir, ça se démultiplie. Si je le donne, je le perds pas. Donc, il est où le problème de ne pas inclure les gens en transmettant? Et est-ce qu'on est à ce point à devoir être en compétition? Est-ce qu'il y a à ce point pénurie de ressources qu'on puisse pas partager? Il y a bien assez de choses. Et en fait, en disant aux jeunes « prouve-moi que tu es digne d'eux » ou aux femmes « prouve-moi que tu es capable d'eux », ça veut dire qu'on est capable de se priver de ressources et de gens qui seraient bons dans des domaines. C'est fabuleux. On se dit c'est complètement absurde. Et derrière, je pense qu'en effet, il y a d'autres choses qui entrent en jeu, qui est la compétition. Mais pourquoi la compétition? Parce qu'il y en a qui aiment bien se faire valoir. Et donc, ce n'est pas les mêmes objectifs. Est-ce qu'on cherche à se faire valoir ou est-ce qu'on cherche à travailler ensemble? J'ai beaucoup aimé l'un des témoignages qu'on a vus. C'est en effet le système vertical par rapport au système horizontal. Système horizontal, on est là pour travailler ensemble. Peu importe que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens bleus, verts, jaunes, ce qu'on veut. Et à partir du moment où l'objectif, c'est améliorer la vie de tous, je pense que ça marche.
Et en effet, ça doit être fait collectivement, quoi. Voilà, c'était juste inclure et pas exclure. Merci. On va prendre encore une dernière intervention. Deux dernières, parce qu'il y avait deux personnes qui ont vu là. Bonjour. Moi, je voulais un peu réorienter le débat vers ce qu'on a dit tout à l'heure. Et je constate qu'on a souvent tendance à, disons, à mesurer l'impact de la présence d'une femme sur chantier par rapport aux hommes. On a souvent tendance à dire « ça brusque les hommes, ça choque les hommes ». Mais j'aimerais surtout avoir votre, disons, votre expérience ou votre témoignage par rapport aux femmes qui pensent que les femmes n'ont pas leur place dans le bâtiment. Et surtout quand ces femmes-là, c'est l'architecte du projet, c'est la personne qui désigne qui est l'équipe qui va réaliser et qui pense qu'une femme ne peut pas le faire. Donc voilà. Léna, c'est ça? Yeah. Oui. Du coup, ça aussi, je vais répondre en anglais. I find this question interesting because in India we struggle with this a lot because a lot of women don't feel like they can do these things. So in the site that we're working on right now, which you saw in the video. The women are never told that they can become masons. So they are always les main d'oeuvre, the helpers. They're carrying the big load. They carry all the bricks. They carry the sacks of cement. They do all the heavy work, the heavy lifting. But for years and years and years, they haven't been trained on site. And there are two types of training. There's formal training where you go to a school, I think, like in France. En France, il y a des écoles où tu deviens maçon. En Inde aussi, on a, mais c'est plus souvent qu'ils se forment dans les chantiers. Et c'est plus courant. And you know, I do franglais. and the women are never trained informally. It's just not there. So it's been so many years of being told that it's not for them, that even they believe that. So the Sindoor, the client mentioned on site, when we say, okay, here we have to use this machine to, you know, put a screw in, they say, no, but it's a machine. Maybe we should call this man or that man. And they're the same people who do really amazing things. They lift heavy stones and they're doing so much, but the minute there's a machine, then they're like, let's call the man. I think there's a man right there, we call him. And so there is a lot of, so that's the thing. There's a lot of aspects, socio-cultural aspects that takes many years to change. So one of the things that is also necessary, maybe in countries like India and others where it's not very often that women are told that you can do the same as men, it's told the opposite. You also need to think of some help, some counseling, or things where they can, comment dire counseling en français, c'est des aides psychologiques, où on dit que on essaie de leur sentir à l'aise. Donc il y a des jours qu'on prend avant le chantier où on fait des exercices pour faire plus de confiance et tout ça pour qu'ils ont la confiance sur leur-même. Et c'est quelque chose qui est nécessaire dans des pays, je pense, où le cas c'est plutôt où il y a plus de femmes, des hommes comme des maçons dans les chantiers. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci. Il y avait encore une autre main qui s'est élevée. Peut-être on prend cette dernière intervention. Ah, un homme. Merci beaucoup. Je voulais vraiment féliciter tout ce travail
de partager ces expériences et les avoir aussi rendues accessibles, et j'espère qu'elles seront diffusées, parce que c'est très utile aussi d'un point de vue d'homme d'avoir accès à toutes ces réflexions et ces pistes. Je vais conclure maintenant rapidement en fait. Donc bien sûr nous pouvons continuer après, lors de la pause déjeuner, à échanger de manière plus informelle. Évidemment on va continuer ce travail de récolter, visibiliser, valoriser ces témoignages. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à prendre contact aussi avec les grands ateliers si vous avez des idées autour de ce travail, si vous-même vous faites un peu le même genre de démarche. C'était une première étape, et puis on espère clairement qu'il y aura d'autres occasions, en tout cas, de pouvoir échanger sur ces sujets. Donc je remercie vraiment une nouvelle fois Sylvie Wheeler, Rosie Paul et Andrea Dani d'avoir participé d'avoir accepté notre invitation déjà, et puis de vous avoir là avec nous à ce moment. Merci beaucoup. Je remercie aussi vivement les grands ateliers et tout particulièrement Louise Lemoine, Marie Mounier-Cœur et Margot Muletta qui ont coordonné ce projet, réalisé ces magnifiques montages vidéo, et aussi les traductrices d'ailleurs. Ils sont là, donc. Je remercie aussi les 35 femmes qui ont contribué à cette démarche, hein, en voyant leurs témoignages. Je remercie également dans le désordre Anne-Monique Berdago, Maxime Bonnevie, Elena Carillo, Patrice Doat, Alexandre Douline, Amanda Rivera, Nathalie Sabatier et Kimi Tada d'avoir largement contribué à la diffusion et la récolte en fait de ces témoignages. Je remercie également pour leur soutien Miséréor, Cratère, l'établissement Gabriel Taborin, le réseau MAC et YAM Solidarité. Je vous rappelle qu'à 14h, il y aura la conférence de Chris Younes, ici même, donc tout à l'heure. Et donc la conférence est intitulée « Prendre soin des conditions d'habitabilité de la Terre ». Voilà, à tout à l'heure et bon appétit. Et regardez ce magnifique travail qu'ont fait Claire et Anaïs. Alizé. Oh. Voilà. Allez,